Et voilà. Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes le... À chaque fois, le 2 mars, et il est... Le 2 mars. Le 2 novembre. Alors, excusez-le. Bonjour, bonjour tout le monde. Radio Biarritz, c'est à l'écoute. Et on est donc, voilà, Patrick nous fait un 2 mars. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ne cherchez pas. Bon, back to the future. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, lui, il veut déjà l'année prochaine. Le 2 mars 2022. Non, non. Nous sommes le 2 novembre. Et puis, ben, on vous accueille sur cette radio avec plaisir, comme d'habitude. Et voilà, donc là, vous allez assister à notre petit café du matin avec un verre d'eau. Joyeux café. Voilà. Non, on est au verre d'eau. Hein. Le week-end s'est bien passé pour toi, Margaret? Alors, un week-end chargé. Margaret, Patrick, voilà. Oui, vous allez nous connaître de toute façon, petit à petit. Oui, un week-end très chargé avec surtout un rassemblement de voitures. Vous savez très bien maintenant que vous allez me connaître que ben, je suis plutôt dans l'automobile, dans les courses hippiques aussi, tout ce qui est course, voilà, j'adore ça. Et on avait fait un rassemblement automobile à Majesque, disons karting de Majesque. Donc, on était une petite centaine de voitures réunies. Après, il y avait food truck, on était déguisés, on a fait du karting, enfin, tout ça. C'était... Et qui c'est qui a organisé? Alors, c'est Karts and Côte Basque. Voilà, c'est un groupe qui est sur la Côte Basque. C'est un mélange de voitures. Ça fait déjà quelques années qu'il est présent sur la Côte Basque. C'est un groupe ou c'est quoi, Carte et Côte Basque? Oui, c'est un groupe qu'il a fait. Pour Facebook? Ouais, oui, il est sur Facebook, voilà. Carte un Côte Basque, voilà. Et donc, il réunit tout plein de gens sur des rassemblements d'automobiles. Différentes automobiles, que ça soit différentes marques aussi, qui soient plus prestigieuses, ou des anciennes, on accueille tout le monde, voilà, pour se connaître, et puis bah, surtout pour avoir tous les passionnés d'automobiles à faire quelque chose, à se réunir, quoi. Faut pas rester chacun dans son coin, quoi. Il y a des photos de ce week-end? C'est sur quel... Comment s'appelle le Facebook? Alors, le Facebook, vous allez sur Karts, c'est-à-dire C-A-R-T-S. Apostrophe S, and Côte Basque, voilà. D'accord, et là, il y a des photos du week-end, voilà. Donc, c'était coloré, apparemment. C'était assez coloré, oui. Moi, j'étais une belle petite sorcière tout en orange et noir. J'avais pas emmené le balai, mais... C'est pas les citrouilles qui sont oranges? Oui, mais la sorcière, là, elle avait mis son beau chapeau pointu et tout. Oh là voilà. Ça devait être sympa. Ouais, enfin, c'était très, très, très mais sympa. Mais vous n'avez pas eu des averses? Alors, on a eu une averse à partir de 15h30, 16h, là. Ah ouais. Mais autrement, du matin, on a eu un soleil merveilleux. Il était avec nous jusqu'à 3h30, 4h. Ah, très bien. Donc, vous êtes allé là-bas avec vos bolides. Voilà. Et là-bas, vous avez... On a une réunion sur le grand parking à l'entrée. On s'installe tous en fonction de voir tous nos petits bolides. Ouais. Voilà. Il y en a qu'on se connaît maintenant depuis un petit moment. Mais des fois, bah, on se connaît un peu moins. Et puis, bah, justement, bienvenue au club. Et puis, en fin de compte, on organise aussi, dans les mois qui suivent, encore d'autres rassemblements et des balades aussi, voilà. Et donc, vous avez loué les kartings. Et on a loué les kartings. Alors, on avait prévu de donner un bracelet pour chaque personne, moyennant quoi 5 euros, ce qu'on pouvait avoir comme ça, une réduction pour louer un karting, voilà. D'accord. Ah, donc, ça s'est bien passé comme ça? Ça s'est passé comme ça, comme il faut. Et donc, vous avez couru avec les kartings et les costumes? Voilà. Non. Ah, si. Il y a des petits films et tout sur le Facebook? Oui. Oh, ça doit être chou, ça. Voilà. C'était trop, trop bien. Alors, il y en a qui ont vraiment joué le jeu. Il y en a d'autres qui n'étaient pas déguisés. Vous avez pique-niqué sur place? Alors, on avait fait venir deux food trucks. Un food truck pizzeria et un food truck talo, voilà, basque. Ouais, que pour vous, sur le parking? Ah, que pour nous. C'était que pour nous. Vous étiez combien? On était une centaine de voitures, mais des fois, deux par voiture. Ouais. On était 150 à peu près. Voilà. Oh là là, c'est cool. Ouais, et ouais. Vous étiez, qu'est-ce que je veux dire, vous en faites souvent? Tous les mois, peut-être? Oui, en principe, on essaye d'organiser tous les mois. Et c'est toujours aussi sympa? Ouais, on s'éclate. Oh ouais. Là là. Ouais. Et entre les deux, il y a d'autres petits groupes qui viennent dans notre groupe aussi, et voilà, qu'on invite. Et il y en a qui font partie de d'autres groupes d'automobiles sur le Pays Basque.
Et puis on les invite, et puis ils nous invitent, et on fait des balades. Dimanche prochain, bah, on organise dans un petit groupe là, bah, une balade, départ du parking de IKEA. Dimanche prochain. Dimanche prochain, à 9h30, on départ du parking, et bah, on se fait une balade du côté Saint-Jean-Pied-de-Port et tout ça, la route Napoléon qu'on appelle la D22. D'accord. Jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Étienne-de-Baïgorry, et on monte au col d'Espéguy pour aller manger dans un délicieux restaurant, du moins une belle benta, où on mange très très bien, voilà, qui nous accueille à chaque fois avec plaisir. Et après le repas, et ben on redescend sur l'Espagne pour faire quelques cols et puis une belle petite balade. Et tout ça à la queue leu-leu en voiture. À la queue leu-leu. Eh bien, dis donc, c'est sympa tout ça. Voilà, ouais, ça donne un peu d'accès. Et donc ça, c'était dimanche. C'était dimanche dernier, ouais. Pour le 31, Halloween, on a dit comme ça, ben on oui, va faire sympa. Le déguisement en même temps que le rassemblement, quoi. Ben oui. Voilà, ouais. Non, non, c'était super sympa. Ouais, ouais, c'est des choses qu'il faut faire. C'était un peu calme Halloween à Biarritz cette année. Ouais. Ouais, heureusement, il y a j'ai vu qu'il y avait des boutiques qui avaient vraiment joué le jeu avec des belles décos. Belles décos, ouais. Après, il n'y a pas eu la fabuleuse... oui, déco d'Halloween que fait depuis quelque temps la municipalité. Oui, en principe, il y a aussi même des... Oui, la gare du Midi, tu sais, voilà, sur la place. Des petites chars, non ? Non, mais là, sur la place, là, ça fait quelques fois où la municipalité décore la place avec des super, je ne sais pas si c'est des attractions, mais oui, des attractions oui, visuelles. Oui, il y a un peu d'attractions. Sur le thème Halloween, c'était gigantesque. Il y a 2 ans, c'était fabuleux. L'année dernière, il n'y a pas eu. Oui. Et cette année non plus, voilà. Bon. Espérons qu'au moins, ça fasse faire des économies à la ville. Qui c'est qui organise ça? Ah, c'est la ville. C'est pas une association privée ou c'est la ville? Non, non, c'est la ville. Après, ouais, ouais. Dans la ville, quel organisme? Je ne sais pas, peut-être... Je ne sais pas, Biarritz Tourisme, je ne sais pas. C'est une initiative. Ceux qui font les fêtes, quoi, qui organisent les fêtes. Je ne sais pas. Je sais pas si ça existe, Biarritz ouais. Fête. Je sais pas. Après, il voilà. Y a d'autres, d'autres villes autour de Biarritz qui ont joué le jeu. Je sais qu'à Saint-Jean-de-Luz, il y avait... Il y a eu un truc dans oui, la ville. Oui, il y avait un peu aussi. Bon, malheureusement, la pluie a un petit peu arrêté tout ça. Oui. Mais il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants qui étaient déguisés. Et ah oui, voilà. Ça, oui, c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns et ici. Et puis, ben, il y avait une participation. Ouais, c'était bon, pas mal. Écoute, j'ai pas été parce que j'étais pas sur le coin. Un week-end... Mais un week-end qui a été très, très, très bien, avec beaucoup de rire, surtout. Et vendredi, qu'est-ce que tu as fait, vendredi ? Vendredi soir. Vendredi soir. Qu'est-ce qu'a fait Margaret vendredi soir ? On veut tout savoir. Oh, mon Dieu ! Vendredi soir. Ah oui, vendredi soir, j'y étais plus. Vendredi soir, ben, il y avait l'apéritif des voisins. Apéro voisin de Biarritz, voilà. Et on s'est réunis, en fin de compte, au départ, sur les tamaris, là-bas, du côté du phare de Biarritz. Voilà, voilà. Sous les tamaris. Sous les tamaris, voilà. Ouais. Mais vu le temps qui n'était pas très, très, très chaud et agréable, donc on s'est rassemblés après chez une voisine. Chez une voisine très agréable, très... adorable, du moins chez des voisins, Bernard et Colette, voilà, qui nous ont bien accueillis, il faut dire. Hein. Oui. Oui, on était un petit groupe, donc c'était sympa. Oui, c'était très sympathique. On s'est vraiment bien amusés, puis on a découvert des nouveaux voisins, voilà. Très sympathiques. Mmh. Voilà, qui espère pouvoir d'ici 3 ans s'installer sur Biarritz. Sur Biarritz ouais. Voilà, et donc du coup, ils ont eu un bon réflexe, c'est d'aller se greffer au réseau des habitants. Voilà, des voisins solidaires. Et puis moi, j'aurais donné aussi des idées d'aller voir un peu ce qui se passe dans les autres associations, surtout Biarritz Accueil, hein, c'est oui. Sa finalité, parce que là, il y a plein d'activités. Nous, c'est vrai que nous, chez les voisins solidaires à Biarritz, en fait... l'idée, c'est qu'on ne fait pas trop d'activités organisées. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est le fait qu'on se rencontre, qu'on apprenne à se connaître déjà. Alors, si c'est à travers des activités, c'est d'autant mieux. Ouais, c'est sûr. Plus facile. Comme ça, il y a un échange qui est donné entre tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont telle activité qui peut nous donner des idées et ainsi de suite. Et nous partager. Et on partage. Et puis, suivant les affinités de chaque personne... Eh bien, on reste ensemble. Ben voilà. C'est super simple. Voilà. On peut faire de la cuisine, jusqu'on peut faire du golf, on peut faire plein de trucs, on partage ce qu'on sait faire. Voilà, c'est ça.
Bon, il y a toujours les marches dans l'eau, mais bon, il faut des courageux. Là, on peut marcher dans l'eau, même... Même sous l'eau. Même sans aller à la plage. Ouais. Bon, voilà. Bon, on a quand même des éclaircies chez nous, là. On ne va pas faire monsieur et madame météo, mais bon, ça va quand même, là, on n'est pas trop... Non, ça va. Voilà. Après, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end d'autre ? Gérard va nous parler sûrement... Du sport, hein, il y a eu du sport. Un petit peu de golf, je crois. Ouais. Il y a eu du golf, il y a eu du rugby, il y a eu des petites choses que Gérard nous dira deux mots tout à l'heure. Moi j'ai fait des petites annonces aussi sur la page Facebook de Radio Biarritz. C'est là où je vais communiquer les petites affichettes, etc., qu'on peut partager. Pour l'instant, tant que Facebook est sympathique... Bon, on reste sur cet outil-là. Tiens, voilà l'arrivée de Gérard changer, Piton. Hein, on va peut-être. Oui, le groupe a changé, mais bon, on verra de comment et ça. Et bon, son nom aussi, ça sera plus Facebook. Et donc j'ai partagé en fait des petites affiches. Je vous invite à les partager, notamment pour faire un appel à maquette musicale pour notre future émission qui s'appellera Tremplin. On invitera, durant moi c'est ce que j'aimerais, c'est inviter régulièrement un groupe qui sera élu par les auditeurs, un groupe local ou de voisinage, un groupe de musique ou même des poètes, hein, parce qu'on aime la poésie sur Radio Biarritz. Et donc on les invitera de régulièrement, les auditeurs pourront voter pour eux via le flux musical de la radio. Et donc ces affichettes, vous pouvez les distribuer, les diffuser dans vos réseaux perso. Donc on reçoit les maquettes en format MP3 aujourd'hui parce que mon manager radio reçoit les formats MP3. Alors on m'a dit que c'est sûr, c'est pas la super qualité, mais on n'est pas au cinéma. Le son, si vous écoutez, il est déjà nickel. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Après, on verra. Parce que qui dit plus gros format, dit plus de mémoire, dit un manager plus costaud, donc dit plus de moyens. D'accord ? Et pour un résultat qui n'est pas forcément meilleur à l'audition. Hein. Voilà. Mais bon, tout est possible. Alors, j'ai fait des petites affichettes pour la musique, format MP3, pour les poètes, la poésie aussi. Parce que je sais qu'il y a des poètes... parmi nous, là, qui nous écoutent et qui nous fréquentent. Et déjà, j'ai commencé à enregistrer Maurice Pasturin, qui est dit le poète de Saint-Charles. On a déjà enregistré 40 poésies qui passent maintenant, comme les autres musiciens, sur la radio. Donc, au hasard, j'appelle ça le sillon intemporel de musique et de poésie, je pourrais rajouter, sur Radio Biarritz. Donc c'était petites affiches du week-end. Et puis j'ai fait, bien sûr, on a parlé, j'ai eu Odile au téléphone pour préparer son émission, parce qu'à 11h, elle vient. Ouais. Elle vient nous présenter Véronique Lataillade. D'accord. Elle vient nous présenter à 11h Véronique Lataillade. Tu en avais parlé le jeudi dernier déjà. Voilà, qui est une créatrice tissu. Alors, elle va nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est comment son parcours. Hein. Du début jusqu'à la fin, quoi. Fin, elle est encore vivante, je te rassure. Oui, mais au niveau de sa création. Ah oui, ouais. Voilà. Donc, je ne parle pas de la dame. Ouais, voilà. Et donc, Odilon, vous allez voir, c'est des personnes... Elle en dit long. Un personnage très fort. Ah. Oh là 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 là. Odilon, elle en dit long. Oh là là, c'est parfait. Donc, son émission s'appelle « L'art en lumière ». Puis vous allez voir, c'est une femme haute en couleur, très lumineuse. Et je pense que ses invités le seront aussi. Je pense qu'il va y avoir du monde en plus qui va venir. Voilà, donc c'est sympa, donc à partir de 11h. Donc voilà. Là, il est 9h44. Il y a Gérard qui vient d'arriver. Et à 10h, il nous fera un petit topo à partir de 10h, autour de 10h. Il nous fait le point sur le sport. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas. On n'a pas dit bonjour à Gérard, et là... Bonjour Gérard, comment tu vas ? C'est le mauvais jour aujourd'hui ? Oui, mais c'est pas encore là. Je croyais que vous étiez dehors, vous êtes avec...
Oui, non, mais toi, tu es courageux. Nous, c'est, nous, on n'est pas courageux. On le fera quand on amènera le passe-montagne. Puis on n'est pas étanche. Hein. Le week-end était dur. Oui, on se remet du week-end. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà, donc, je réitère mon annonce pour la musique, hein, pour les groupes locaux. Alors oui, je me suis aussi inscrit sur une plateforme musicale qui met en contact les diffuseurs et les créateurs. Allez, je regarde, je me mets sur mon iPad, parce que je crois que cette plateforme, elle est connue des créateurs de musique. Mais ça peut peut-être vous être utile. Hein. Attendez, hop, je me mets sur mon Radio Biarritz. Ça s'appelle Groover. G-R-O-U-V-E-R. Donc, c'est une plateforme, en fait, une jeune plateforme qui met en relation les diffuseurs, les diffuseurs pro ou pas pro, les gens qui ont des playlists sur des plateformes comme Deezer, etc. Et des créateurs. Et donc, du coup, voilà. Et puis en plus, on peut se faire rémunérer. Voilà, c'est très très simple. C'est pas mal. Donc j'ai déjà reçu 4 maquettes via Groover. Alors c'est sûr, c'est des voisins larges. Hein. Il y en a qui sont des Landes, de Paris. Oui. Mais on est voisins comme. On est tous voisins. Voilà, on peut être voisin de région. Oui, complètement. Voilà, c'est quoi ta région préférée? Ma région préférée à moi, c'est le Pays Basque. Ben voilà. C'est pas compliqué. Hein. Je suis tombée amoureuse du Pays Basque. Après, je suis native des Charentes-Maritimes, La Rochelle. Moi, j'adore La Rochelle. La Rochelle, oui, j'ai vécu très... C'est les filles de La Rochelle, ouais. Ouais, ouais. C'était Jacques Dutronc qui chantait ça. J'ai un de mes meilleurs amis d'enfance là-bas, de jeunesse, on va dire. Ouais, La Rochelle. Voilà, qui est très, qui est très belle formidable. Ville, fortifiée, ses Richelieu, ses tours, c'est voilà, c'est tout ça, La Rochelle. Quand on veut, qu'on connaît un petit peu l'histoire. Bah oui. Voilà. Voilà. Donc maintenant, oui, je suis tombée amoureuse d'ici. Je crois que je resterai là. Voilà. Après, j'aime toutes les régions. Voilà, mais c'est un concentré. Ouais, ouais. Concentré de ce qui est sympa. Voilà. Alors, après, donc, bon, voilà un peu pour le week-end. Puis après, moi, j'ai rien fait. Si. T'as rien fait? Si, j'ai... Qu'est-ce que t'as fait? T'as dormi? J'ai fait un peu de sport de combat. Donc, je me suis pris un gros pet sur le nez. Ah, c'est ça? Je croyais que c'était une porte que tu avais. Non, c'est pas une porte. Là, je me suis remis à la boxe. Et bon... Non, mais il faut te calmer. Ça fait mal. Patrick. Hein. Mais ça fait du Est-ce bien. Est-ce que c'est encore ton âge? Ah, ben, il n'y a pas d'âge pour boxer. Hein. Surtout, actuellement, il y a des gens qui mériteraient qu'on les boxe un peu plus fort. Oui, mais il faut que tu... Ça remettrait les neurones en place. Il faut que tu évites les coups, là, quand même. Non, moi, je pense que j'avais les neurones un peu scotchés au plafond, comme on dit, et ça me les a redressés. Voilà. Okay. Mais bon, ça va, on se marre bien. Et puis quoi? Et puis j'ai rien fait. Voilà, ça aussi. Je crois que c'est le principal de mon week-end. Voilà. J'ai réparé mes volets. Bah voilà. Mes volets électriques. Donc là, maintenant, je sais réparer vos volets électriques. Voilà. Bah voilà, on a un réparateur de volets électriques. Voilà, reprogrammer les télécommandes. Voilà, vous savez tout. Ah, et oui. Puis j'ai rien fait. Ça, c'était important. C'était le fil rouge du week-end. Jusqu'à hier soir, tu n'as rien fait. Rien. Bon, si, 3 bricoles. Mais voilà. Et voilà, donc c'était un week-end sympa. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? C'est tout. Hein. Voilà un peu pour... Pour notre week-end. Pour déjà, l'introduction. C'est une introduction, oui. Ouais. Voilà. Mais on va saisir d'autres informations et tout ça. C'est sur la radio, là, ce matin. Oui. Ben, on attend... Nos invités. On attend Gérard, là, qui peut déjà s'installer. Bonjour tout le monde. Ben non, ben voilà, tu peux venir, tiens. Ouais, c'est comme toi, tu là. Veux, bonjour, oui. Bonjour Margaret, est-ce que tu as travaillé ton swing? Sous la pluie, oui, bonjour. Un bon swing. Bonjour Patrick. Mais je l'ai travaillé avec toi quand même un petit peu la semaine dernière. D'accord. Oui, c'était bien quand même. Tiens, Gérard, tu veux te mettre à la place Tu mets-toi à la place. On va changer et puis comme ça tu vas devenir... Tu vas être là, tu seras mieux. Viens ici. Je vais passer là. Ouais, tu passes, attends, t'es tout mince. Voilà, c'est l'élégance incarnée du sportif Biarro. C'est Gérard. Ah oui, on est ici pour parler de sport. Tu dis bonjour micro. Oui, bonjour Patrick. Qu'est-ce voilà. qu'il a sur le nez? C'est bizarre. Et notre, bon, notre bonjour les amis. Bonjour les amis sportifs. À Biarritz, il se passe beaucoup de choses en ce moment. On a deux nouveaux champions de France depuis hier.
Le dernier, c'est hier, oui. Alors, tout d'abord, on va parler du rugby. Le rugby, le BO a donc perdu à Toulon, mais de très très peu. On pense qu'il va se racheter samedi prochain à Pau, parce qu'il y a une grosse partie importante à Pau. Voilà, ça, c'est concernant le rugby à Biarritz, où il y a une équipe de dirigeants qui est assez efficace, et on espère qu'ils vont être récompensés. Alors, les deux champions biarrots de la côte basque de Biarritz sont tout d'abord en golf. Il y a un champion de France cadet depuis hier soir. Il s'agit de Alaric Mercier de Soultrey. Alors, il est terminé premier haut la main, donc il est champion. Quel tournoi ? C'était quel tournoi ? J'ai pas entendu. Non, c'est les championnats de France cadet. Ça se passait où ? À Saint-Émilion. À Saint-Émilion ? Oui, à Saint-Émilion. Sur le nouveau golf qui a été fait, ouais, qui est très joli. C'est un très joli golf. Et là, les champions de France cadet et minimes, les championnats de France cadet et minimes ont eu lieu donc toute la semaine dernière, la fin de la semaine dernière. Et les finales, le dernier jour était hier. Alors, ça, c'est individuel alors. Oui, c'est individuel. Alors c'est individuel. Là, c'est en cadet. En cadet, et il y avait donc les championnats de France minimes également, où il y avait deux biarrots qui ont terminé 8e et 11e. Alors, c'est Joseph Linel a terminé 8e et Faustine d'Estonave Labadi qui a terminé 11e, ce qui est pas mal quand même pour un championnat de France. Vous voyez, les biarrots en golf sont très très bien représentés. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, c'est les cadets. Alors maintenant, on attaque les professionnels. Alors, il y a les professionnels de l'European Tour sont à Villamoura pour le Master du Portugal. Le Master du Portugal est une épreuve très importante où les meilleurs Européens et tous les Européens et même certains Américains y participent. Alors ça, c'est toute la semaine, c'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ensuite, il y a la finale du Rolex du Challenge Tour, alors qui a lieu à Majorque avec un biarrot qui s'appelle Hugo Cousseau, qui lui est professionnel déjà. Ça correspond à la finale de la deuxième division. Et les premiers, il y a un certain nombre de joueurs de cette finale qui iront sur la première division européenne l'année prochaine. Donc surtout d'ici, nous n'avons que Hugo Cousseau. C'est tout ce qu'il y a pour cette semaine, le Master du Portugal donc, et le Challenge, ça, il s'agit des professionnels. Autrement, il y a le circuit américain qui fonctionne, mais pour le moment, il n'y a pas d'Européens. Le seul Européen, c'est pas de Français, le seul Français, c'est Paul Barjon, qui actuellement est indisponible, je pense, pendant la semaine. Il va recommencer certainement sur l'autre circuit, sur le circuit américain la semaine prochaine. Et il y aura naturellement Victor Pérez qui va faire les grandes compétitions mondiales. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le sport. Et il y a quand même une chose, il y a un autre champion de France ici, qui est de Biarritz, qui a gagné le championnat de France de surf des déficients visuels qui a eu lieu. Il y avait les championnats de France de surf au Sable d'Olonne. Et les déficients visuels, il y a une catégorie, ce qui ne doit pas être très évident. Et je pense que ce charmant garçon, nous allons avoir l'honneur de sa visite jeudi prochain. Voilà. Et oui, ça c'est une excellente nouvelle. Oui, c'est un très... Parce que ce n'est pas évident de faire du golf, du surf. Je l'ai rencontré, ça vaut le coup d'écouter un peu. Je désespère pas de le convaincre de faire du golf. Ah oui? Ah oui, parce que ça a déjà existé, il y a déjà des joueurs. C'est vrai? Ouais. Des joueurs pratiquement déficients visuels qui pratiquent le golf. Bon, ça a existé ici à Chiberta. J'espère que nos amis qui dirigent les golfs de Biarritz feront un bon accueil à notre initiative. Ça c'est une autre histoire parce qu'ils sont loin de la réalité du terrain. Oui, mais enfin ça.
Ah non, je crois pas, non. Ils sont dans leur procédure administrative. Bon, ils ont sûrement plein de choses à gérer, mais bon, c'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des nouveaux dirigeants et apparemment, ça ne se passe pas comme ils désireraient. Quoi. Mais il faut prendre du temps quand on prend... Parce que c'est quand même une belle et vieille dame, comme on dit, une vieille institution, les Gaules de Biarritz. Oui, depuis 1880. À moins d'arriver avec des chars d'assaut. Voilà, il y a des choses qui changent. Mais enfin, ce sont quand même des golfs municipaux qui sont sur des terrains municipaux, donc qui appartiennent à la ville et aux citoyens. Donc, Aux citoyens. Tant qu'il y a des citoyens, hein, voilà, et qu'on ne vienne pas les attraper par la ceinture et les traiter de tout. Non, enfin, c'est pas grave. C'est-à-dire que normalement, le sport, comme on peut dire, le sport est quand même assez étendu, c'est accessible logiquement à tout le monde, sans qu'il y ait des contraintes et des choses qui se fassent. Il y a quand même une réglementation qu'il faut respecter quand même. C'est clair. C'est clair, parce qu'un golf, ça se fait pas tout seul. Il y a de l'entretien, il y a beaucoup de choses. Ça coûte très cher, ça coûte très cher. Après, il faudrait que ça soit accessible. Tout le problème, c'est la démocratisation du golf. Alors, on essaie avec les enfants, mais on peut s'étonner pourquoi il y a 80% des enfants qui arrêtent au bout de... Dès qu'ils arrivent à 14 ans, 15 ans. Ben, mes filles, oui. Elles adoraient ça. Oui. Elles étaient dans les clubs de d'Ibaritz, parce qu'ils organisaient des stages pour les enfants, etc. Et très vite, elles ont arrêté. Il faudrait que je leur demande. Mais ils ne savent pas retenir les jeunes. On a le même problème au tennis, au VO. On ne retient pas les jeunes. Voilà. On ne les motive pas. On ne les motive pas et on mais les retient pas. Mais ce n'est pas fun hein, quand tu arrives là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui viennent faire leur métier, et puis ils s'en foutent, ils enseignent, et puis après ils partent. Voilà. Il leur faudrait des bus, en fait. C'est ça. Des bus de gens qui arrivent à la queue leu-leu. Oui, c'est ça. Voilà. Ah mais pourquoi on ne demanderait pas à Édouard Leclerc de faire un golf, une grande surface golf, tu vois, avec des caisses. Tu rentres à la caisse et puis à la queue leu, tu tires sans parler. Ça serait pas mal. C'est une. En plus, je crois que j'ai des relations pas chez Leclerc, mais chez Carrefour et chez Auchan. Je vais leur proposer. Ils rachèteraient des golfs. Eh oui, il ferait de la chaîne, du golf à la chaîne. Oui. Les gens, ils essaient. Quelqu'un m'avait expliqué en Afrique noire, il avait été dans un club maître. Moi, j'irais pas, je te le dis. Moi, j'irais pas si c'était. Si c'est du golf à la chaîne, j'irais pas. Ouais. Ça, c'est clair. La balle qui tombe devant toi. Quelqu'un m'avait expliqué en Afrique noire, dans un club maître, il y avait donc les clients qui étaient là, et ils ont décidé d'organiser un concours de putting. Oui. Où tout le monde du Club Med, y compris les gens qui travaillaient du Club Med, s'entraînaient au putting à rentrer la balle qui était à 5-6 mètres du trou. Et il y a une petite indigène du coin qui travaillait dans les cuisines, qui est venue. Elle n'avait jamais tenu un golf, rien. Elle les rentrait à chaque fois les trous. Elle a battu tout le monde, y compris les joueurs de golf qui étaient là. Comme quoi, il y a des talents cachés, quoi, quelque part. Tu sais que c'est quelque chose que l'on traite quand on fait de l'ingénierie de la formation, c'est qu'on se dit, tu prends quelqu'un, tu sais, on dit tout le temps la chance du débutant, mais parfois c'est parce qu'il n'a pas été formé qu'il réussit. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un peu ta méthode, c'est la méthode de découverte de Gérard, c'est qui nous dit, vas-y, le but c'est de mettre la balle dans le trou. Voilà. Et si on ne t'explique pas comment, au début... Tu arrives, si t'es un peu, tu sais, c'était un petit peu coordonné, voilà. Tu arrives aussi facilement que quelqu'un qui a des années d'expérience. Alors, et pourquoi et moi, ça m'est arrivé, c'est-à-dire qu'au départ, c'est sympa. Et dès que tu prends des cours, à la fin, c'est tellement technique, tu te prends tellement la tête, parce que tu es plein, on te dit, il faut faire comme ci, comme ça, mets ton doigt comme ci, toi, parce que t'es comme ci, fais comme ça, et blabla. Et à la fin, tu loupes tout. Oui, les gens ne s'amusent pas, en réalité. L'important, c'est de s'amuser. Il faut être comme un gamin qui a envie de jouer. Si vous êtes comme un gamin qui a envie de jouer, ça marche beaucoup plus facilement que si vous commencez à mettre des paramètres dans la tête, à vous prendre le cerveau. Moi, je ne me prends pas
Pas le cerveau, hein, sur le gauche, tu l'as vu. Non, mais toi, ça va aller. Quoi. Ouais, ça va aller. Moi, je m'amuse, c'est ça. Je m'amuse et j'aime, en fin de compte, le golf. Oui, parce que, bon, j'ai atterri, grâce à Gérard, dans ce côté-là, quoi, avec les initiations. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup. Ah, j'en ai plein maintenant qui sont, qui sont membres au Phare et à Ibaris. Il y en a qui, au bout de 2 mois, il faut qu'ils aillent sur le parcours. Ouais. Parce que c'est là que tu progresses vraiment sur le parcours. Bien sûr. J'ai vu ça. Et puis, c'est physique. Oui, tu as vu, tu as remarqué. Oui. Tu progresses parce que mon premier parcours, en plus, ce n'était pas le plus simple, mon premier parcours. Non, mais c'est... En plus, il y a souvent des événements... Il y a des événements extérieurs qui interviennent parfois où il faut s'isoler complètement, les oublier, ces gens-là. Oui, il faut les oublier parce qu'autrement, tu as une angoisse oui, parce qui qu'on te joue, monte. On joue au golf pas toujours avec des gens sympathiques. Hein. Et comme partout. Ça, oui, comme partout. C'est formateur. Hein. Il paraît qu'il faut se former dans la souffrance. Non, mais... Il y a des moments où on n'a pas envie. Là, je suis tombée là-dedans. Voilà, de se former dans la souffrance. Et... Mais là, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience de la vie. Mais bon, il y a des moments où on ne peut pas... Mais comme je suis assez battante, il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Mais oui, voilà. Mais tu as raison. Il n'y a pas de souci. Ça, tu as raison. Il n'y a que le plaisir qui compte. Ouais. Alors, j'espère que donc, jeudi, nous aurons notre... notre champion de France de surf déficient visuel. Comment il s'appelle ? Alors, il s'appelle Thomas Da Silva Costa. Ah, oui. Ah oui. Oui, mais il est d'ici. Il est d'ici, il habite en dessous de chez moi, en plus. Alors, c'est très facile. Il doit avoir un papa. Alors, normalement, comment ? Un papa qui n'est pas d'ici, quoi, peut-être. Je ne sais pas. Et alors, ce qui est important, c'est que c'est quand même pas évident, parce que s'il arrive à surfer... En étant déficient visuel, je pense qu'il peut jouer au golf. Et ça, c'est vrai, parce que j'ai déjà un garçon que je connais, qui est beaucoup plus âgé, qui, lui, a des problèmes de déficience visuelle et il joue au golf. Donc, c'est réalisable, quoi. Mais il faut que ça lui plaise, il faut qu'il ait envie de découvrir. Et puis, il n'aura pas loin à aller. Oui, Thomas Da Silva. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, parce qu'on pourrait peut-être... aussi imaginer ou découvrir qu'il y a peut-être des accessoires qui peuvent les aider pour les guider, en fait. Oui. Tu vois, et donc ça, et là, je pense que si ça n'existe pas, on l'inventera. Oui. On l'inventera. Et il va nous le dire, de toute façon. Et ça plaira aussi à Frédéric Hamon, le docteur Frédéric Hamon, qui est très féru de technologie et qui, je pense, sera très intéressé à trouver, en tout cas, à utiliser en tout cas des outils pour aider les joueurs. Peut-être lui, il sera très intéressé. Ah oui, parce que là, franchement, on a... Surtout que lui a joué au golf aussi, il est venu avec nous. Là. Tout à fait. Et puis, moi, ce qui me... Surtout qu'il est, il a vraiment envie d'utiliser la technologie pour l'aide des déficients visuels. Il y a certainement quelque chose à faire. Et là, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et puis surtout amusant, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Ben oui, bien sûr. On s'amuse. Il faut que ça soit drôle. On utilise les compétences de chacun pour... des jeux, quoi. Pour améliorer... Le golf est un jeu. Ah, voici un ami qui vient nous voir. Ah, ben voilà. Bonjour, ami Jacques. Bonjour, Jacques. Il y a des artistes. Bonjour, Jacques. Il y a des artistes d'âme. Voilà. Attention, Jacques. Attention, là, tu vas passer devant la caméra. Tu peux t'asseoir là-bas dans le public. Et si tu veux intervenir, tu pourras t'asseoir là. Mais sinon, voilà. Après, tu vas à 11h, il y a Odile qui arrive. Voilà. Et qui va nous préparer. Alors, Margaret, tu connais ? Bonjour, Margaret. Ça y est, oui. On s'est connus enfin. Vous avez l'air d'être très essoufflé, Jacques. Je suis à parler avec Thomas. Est-ce que vous êtes allé marcher dans la mer, Jacques, aujourd'hui ? C'est pas fait pour l'handicapé ici. Oui. Je vais redonner le micro à Margaret. Là. Parce qu'au point de vue sport, bon, il y a rien d'autre. Oui. Ouais, mais il y a plein d'endroits. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de ça. Tu vois, on parlait des déficients visuels pour jouer au golf. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu. Ah, voilà, oui. C'est pas la plainte, parce qu'on le sait, tu sais, avec nos associations, on a un gros travail là-dessus. Mais voilà. La radio, on est là, par exemple, si tu me dis, tiens, moi, dans le cadre de mon activité, je trouverais sympa qu'on améliore ceci, cela, voilà.
notamment les visites de musées, les concerts. Alors, c'est qu'hier, sur mon ordinateur, j'ai découvert des trésors, des vidéos que je n'avais jamais visionnées. J'ai toute une heure de vidéos, des vidéos de Notre-Dame de Paris en 2013, avant l'incendie. Avec Archevêque. Jacques est notre musicien local. Si tu veux te participer à la discussion, tu t'assois à côté de nous. Et puis on va te filer un micro, Jacques. Et on te file un micro si tu veux parler de ce que tu as découvert. Non, tu viens, Jacques. Et à 11h, on laisse la place à Odile. Jacques, c'est une diva, alors il se fait prier. Bon, on aura l'occasion de. Oui, parce que. Que tu nous parles un peu d'histoire. La sœur de Mireille qui chante a cappella. Ah. Je vais remettre la médaille parce que les gens ne savent peut-être pas que Mireille avait une sœur qui chantait mieux qu'elle. Hein, qui a été la chanteuse de Tout va très bien, Madame la Marquise. C'est elle qui a lancé la chanson. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tu connais Pierre Abébéry qu'on a reçu ici. Pierre Abébéry, je vais montrer. Voilà. Oui. Il faudra un jour peut-être que vous discutiez de Mireille. Tous les deux. Notre ami Jacques, qu'on ne voit pas là pour le moment, qui se cache derrière une casquette ou je ne sais quoi, est la mémoire vivante de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz. Jacques Lard. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va avoir quelques invités qui vont arriver là dans quelques instants. Voilà, c'est ça. Bonjour, bonjour. Voilà ton café. C'est le simple. Bon, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Bon, alors moi, ce que ah oui, attendez, je voulais juste dire un truc. C'est que. Bon, vas-y d'abord toi. Ça non, m'a non. échappé. Il c'est a passé échappé. Comme ça, Bloom. Heureusement que c'est moi qui suis âgé et ouais, qui ouais, perds non, la. La mémoire. Non, mais le week-end, ça s'est très bien passé. On a fait du golf dimanche matin, où on n'a pas vu Margaret, par exemple. Mais... Margaret était au rassemblement de voitures. Ah bon, elle ne peut pas être partout. Et oui, et souvent de fois, c'est à partir du dimanche matin, toute la journée, quoi. Donc, karting, rassemblement de voitures, organisation avec Karts and Côte Basque. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, mais le golf... Oui. Elle vient théoriquement au golf, mais le jeudi, mais jeudi Gérard, après-midi. Gérard, oui. Qu'est-ce qu'on a fait tous les deux vendredi? Ah, je ne m'en souviens plus. Ah, mais tu vois, bon, alors, mais c'est bon, maintenant, je reprends le mal. Vendredi soir, n'était pas avec nous. Ah non, j'étais pas à l'apéro, moi. Non. Ah, moi, je non, me couche. Mais on a fait autre chose. Ah oui. Il y a très bel apéro. Ah oui? Oui, c'était très simple. Ah oui, oh, c'était vraiment fantastique. Vous êtes allé chez Colette, alors, à côté. Oui, mais bon, on ne va pas faire de la pub, mais toute la ville va venir. Non, parce que vendredi soir, le temps n'était pas exceptionnel. Hein. Il pleuvait. On était à l'abri. Par contre, il pleuvait exceptionnellement. Et on a trouvé une solution de repli au dernier moment. Oui, bah ouais, il faut des solutions de repli. Oui, c'est nécessaire de se replier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Alors, est-ce que ça vous intéresse que je vous dise ce qu'on a fait vendredi avec Gérard? Non, j'en sais rien. Oui. Il y a eu un événement historique à Biarritz. Ah. Je m'en rappelle plus. Champion de golf. Non. Historique. Rien à voir avec le sport. Historique. Avec nos amis arméniens. Ah oui. Et oui. Ah oui, c'est vrai. On a inauguré la stèle. Vendredi à 16h, effectivement. Voilà. Madame l'ambassadeur de l'Arménie. Nous, on a eu l'honneur de lui parler à cette dame. Elle est charmante. Très charmante. Moi, je ne savais pas qu'elle était ambassadrice. Oh, mais ils n'invitent pas, on y va. Oh non, c'est eux les. Ils sont très ouverts. Non, c'est un soutien aux Arméniens, parce qu'il ne faut pas oublier que les Arméniens, ils ont eu 1,5 million de personnes qui ont été guillotinées. De la Dami, des droits des interprètes. Viens avec. Soprano. Il est en train de prendre son café tranquillement. Ouais, on l'entend peut-être, le micro est sensible. Ouais. Bon. Voilà, j'ai une voix qui porte. Voix de basque. Une voix de ténor. Ah, voilà, vous allez voir Jacques Lard, la mémoire vivante de Biarritz. Bon, alors, oui, alors. Bonjour à tous. Bonjour à nos chers auditeurs. Ouais. Alors, on va parler, c'est vrai, de cette cérémonie. Alors, la stèle, alors c'est vrai qu'elle a un nom très beau. Tu te rappelles du nom de la stèle?
C'est... Oh là là, quel meilleur... Bon, je vais donner le micro à Jacques. Tiens, Jacques. Ah non, je ne me rappelle pas du nom. Prends le micro. Hein. Voilà. Là, il prend son café. On va lui donner tout à l'heure. Parce que... Ouais, donc alors, du coup, c'était une très, très belle cérémonie. Oui. Oui, il y avait beaucoup de très, gens. Très, très émouvante. On a eu la joie de voir notre ancien maire, M. Michel Vonnac. Très bien, oui, oui. Qui était accompagné. Il y avait naturellement Maïder Rostegui, l'ambassadrice. Qui a fait un très beau discours. Le président et notre ami Jackie, qui était le porte-drapeau de l'association des Arméniens. Et qui est un ancien combattant, comme toi, Gérard. Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'on est plutôt jeune. On est plutôt jeune, oui. Ouais. Mais bon... C'est, voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait écoute, c'était très intense, j'ai trouvé. C'était sobre et puis c'était un peu émouvant quand même, parce que les différents discours ont été... Puis rappel à la mémoire de ce qui s'est passé, le temps que ça a mis pour... Et un peu ce que nous vivons en ce moment. Ben, alors, disons c'est un peu inquiétant quand même. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont mis quasi 100 ans pour reconnaître. Que le génocide, d'abord qui a été inventé, le mot a été inventé à l'occasion de ce drame, c'est-à-dire que juridiquement, jusqu'il y a très peu d'années, on ne savait pas identifier ce qui s'était passé. Quand un État en fait, tue toute une population, on ne savait pas l'intégrer, le traiter au niveau juridique. Voilà. Donc on a inventé, d'abord on a créé un pôle de juristes exprès pour analyser ce qui s'était passé. Il trouvait le mot génocide, je crois, d'après ce que j'ai compris, il a été mis en place dans le cadre de... Il a été créé pour décrire ce qui s'est passé en Arménie. Et avant même cette fameuse, disons, ce qui s'est passé malheureusement pour les Juifs. C'est-à-dire ils nous ont parlé de tout ça, mais ça nous a remémoré en fait l'ignominie du XXe siècle. En fait, tout ce qu'on a pu faire au nom, pour le bien des gens en fait, au départ, pour le bien d'un peuple. Alors tout ce qu'on peut faire pour le bien, ben soyons prudents. Quand on vous dit c'est pour votre bien que je massacre tout le monde, voilà. Je me permets peut-être de vous évoquer une anecdote concernant mon nom. J'ai une homonyme qui s'appelle André Lard, qui a habité Biarritz. Son père était syndic bénévole au Carlton, Roger Lard, un grand joueur de bridge, pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux. Et André Aznavourian, sa fille, que j'ai connue à Paris quand je faisais de l'immobilier, c'était une de mes consoeurs, s'appelait, elle avait épousé le cousin Germain, je pense, de Charles Aznavour. Elle s'appelait donc André Lard Aznavourian. Et donc je pense évidemment à elle, et je n'ai pas connu son mari, elle habitait le 7e près de l'avenue de la Bourdonnais. Et je pense beaucoup à Charles Aznavour, qui a été un des piliers pour faire connaître ce génocide de Charles Aznavourian, de son vrai nom. Voilà, donc cette vedette a profité évidemment qu'il soit reconnu et écouté, à la fois sur les ondes, sur les écrans, etc., pour militer et faire connaître ce drame qu'a vécu l'Arménie, et qu'elle vit encore. Quelque part. Ouais, ah, mais là, c'est ça. Il y a deux ans encore, il s'est produit quelque chose. Et le temps, l'inertie des peuples, moi, je trouve ça, c'est ça qui me... Je comprends pas, en fait. Ça dépasse mon entendement qu'on laisse faire ça alors que c'est flagrant. En fait, tu vois, je comprends pas à quoi servent toutes nos armées si c'est pas pour défendre la paix, les peuples inoffensifs. À quoi elle sert Il y a toujours des conflits d'intérêts dans tout ça. Voilà, c'est un conflit entre les Turcs et les Arméniens. C'est incompréhensible. Alors moi qui ai travaillé beaucoup dans le domaine de la culture, qui espère encore travailler de notre façon, plus bénévolement évidemment, il y a énormément d'artistes arméniens, merveilleux. J'ai entendu des grandes organistes, violonistes, pianistes, etc. Et je pense à ma grande amie Sonia Nigogosian, soprano, qui a travaillé beaucoup avec Jean-Claude Malgoire et qui est toujours, à ma connaissance, la vice-présidente des droits des interprètes, l'ADAMI. Voilà, une femme aussi militante qui a beaucoup d'énergie et que j'espère un jour faire venir à Biarritz. Et l'ADAMI ? L'ADAMI, c'est une association, comme la SACEM, mais pour les droits des interprètes. Voilà. D'accord.
Il y a, comment il s'appelle, François Morel, qui fait partie, je crois, du conseil. Il y avait, à mon avis, il y avait Topalov qui en faisait partie, je crois. C'est les anciens, ça. Oui, les anciens, oui, oui. Mais je cherche le nom d'un acteur qui est venu au Petit Bijou il y a un an. C'est pas François Morel, je crois que c'est un autre comédien qui lui ressemble un petit peu. Voilà, bon. Voilà, donc j'ai voulu vous parler de Sonia Négo-Gossian, qui mérite beaucoup, qui fait beaucoup pour les jeunes. Et évidemment aussi, elle milite en permanence aussi pour son pays d'origine, qui est l'Arménie. Oui, il y a une association ici, une association qui s'appelle Agour Arménie, avec de nombreux Arméniens qui vivent sur la côte basque. Et elle qui a l'air très, très active. Oui, ça, il faut le savoir. Et très sympathique. Oui, oui. Bah oui, ils sont très sympathiques. On passe des bons moments ensemble. Ouais, voilà. Et dis-moi, Jacques, t'es très érudit. Hein, on est témoin. Est-ce que tu pourras venir de temps en temps nous raconter une histoire de Biarritz, de ses alentours? Alors, une histoire. Parce que moi, quand tu parles des maisons. Des personnalités qui ont vécu à Biarritz, non, c'est fabuleux. Est-ce que tu pourras venir, j'espère parler, mais je n'ai pas toute la mémoire parce que ça remonte à une quarantaine d'années. Oui, une bonne quarantaine d'années. Jean Poiré à Biarritz, qui venait en toute discrétion, la presse n'en parlait pas. D'ailleurs, nous avions ordre ça, c'est par les clients, certains clients, dont Jean Poiré, qu'on ne parle pas de lui. On avait malheureusement, un journaliste qui venait à l'agence Becky où je travaillais, qui était à l'affût du moindre... Pas de publicité. Oui. L'agence BIP. Voilà. Sauf si elle a un intérêt historique, bien sûr. Voilà, le journaliste travaillait pour une presse qui n'existe plus, à la Gazette de Biarritz, qui était dirigée par Guy Petit à l'époque. Ce journaliste s'appelle Mario Prieto, les anciens de Biarritz s'en souviennent. Il était très dynamique, mais il était à l'affût des moindres anecdotes. Et moi, j'avais instruction de ne rien dire. Et il a fallu même une fois que j'intervienne auprès du directeur de l'agence en question pour ne pas divulguer la présence de tel ministre de Belgique ou telle personnalité française du cinéma, dira pas, qui est Jean Poiré. Mais voilà. Tu sais que tu pourras nous dire tous les secrets, ça reste entre nous. Hein. Voilà. Voilà. Et Jean Poiré, c'était un homme délicieux. Voilà. Il jouait au tennis au BO, et à Chibertin, surtout à Chibertin, il venait parce que c'était discret, il était toute une équipe. Et là, mais Gérard a des anecdotes aussi. Hein. Oui, dans les années 75-80. Mais Gérard, tu connais aussi les grandes familles, Biarrot, Basque, etc. Il y a des grandes familles. Maisons. Ici, je me trouve place Clémenceau, je regarde un immeuble en face, par exemple la Société Générale en l'occurrence. Tu peux nous raconter l'histoire. Les meubles d'Arostegui, c'est la famille Jolery, les vieilles familles de Biarritz. Mais ça serait intéressant que tu viennes nous dire, aujourd'hui, je vais vous parler de la maison Arostegui, par exemple. Ah, ouais. Et après, de nous parler... Ah, moi, j'ai souvenir de Félix Arostegui, le grand-père de Maïder. Voilà. Mais ça serait génial. Qui était un type fabuleux, plein d'anecdotes, qui était très riche de connaissances, et c'est sûr que... Tu pourras venir un petit peu. Un homme comme lui nous manque aujourd'hui. Il manque à tout point de vue, il manque à la famille. Mais il manque aussi aux biarrots et aux personnes avides de l'anecdote. On est d'accord qu'on serait que tu viennes nous parler. Bien sûr, tu nous diras. L'idée, c'est que tu arrives à venir régulièrement. Ah, Jacques, je voulais te demander, est-ce que tu as connu Léo Guido et tout ça? Alors, j'ai entendu parler. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je l'ai aperçu. Dans ta jeunesse. Oui. Non, je n'ai pas. Alors, je te dirais qu'il n'était pas... beaucoup de jeunes de Biarritz l'ont fréquenté, oui. Mais je n'étais pas dans cet aspect de rencontre. Ah, d'accord. Oui. Attends, je ne te lâche pas. Je lâche pas Jacques, après je reviens vers toi, Jean. Oui. Voilà. Tu pourras venir le mardi ou le jeudi. Je ne le lâche pas. Alors, ou les deux. Disons que le mardi, c'est souvent le jour où je vais à Saint-Jean-Just pour le marché. Bon, depuis quelques temps, je n'y vais pas. Mais le mardi, je peux être sujet à partir à Saint-Jean-Just. Le jeudi matin Jeudi matin, ça serait mieux. Avant 11h. Avant 11h, d'accord. Avant 11h, parce qu'à 11h, on a Nathalie Da Silva. Da Costa, pardon, excuse-moi, oui. Nathalie, je t'embrasse très fort. Je pense qu'exceptionnellement, on pourrait peut-être commencer le direct à 6h du matin pour Jacques. Le problème, c'est qu'il faut trouver un lieu d'accueil. Le marché de Saint-Jean.
Avant d'aller au marché, oui. Non, mais le jeudi, c'est parfait. Et qu'est-ce que je veux dire ? Mais Gérard aussi a des anecdotes, parce qu'il est timide, parce qu'il a été longtemps au BO, au tennis. Oui, oui. Oui, on s'est terriblement amusé. Il y a des gens qu'on va pouvoir inviter qui sont très drôles, parce que maintenant, il faut que cette émission devienne drôle. Elle n'est pas très drôle jusqu'à maintenant. Non. Voir la mienne. À moitié cassée, à force de me battre. Il y a des gens sérieux, Margaret et Jacques, mais nous deux, on n'est pas fait pour faire ce genre de boulot. Non. Enfin, on le fait parce que ça nous plaît. Et on voudrait s'amuser. Parce qu'on est des joueurs. Ce qu'on voudrait surtout, c'est des gens qui soient drôles, qui nous racontent des histoires. Alors ça. Mais toi, tu as des anecdotes avec des stars. Ah oui, au BO. Un jour, tu nous raconteras, pendant ta chronique sport, par exemple, Balavoine. Ah oui, Daniel. Oui. Daniel Balavoine. Qui était mon adversaire au tennis. Voilà, tu nous raconteras ça. Oui, donc, tu te mets dans un petit coin du cerveau, hein, parce que moi, j'en ai pas. Tout le monde l'a vu. Tu notes. Pendant ma chronique sport, je ferai une chronique historique. Ah, justement, j'ai mis un petit mot à sa fille. Il a une fille qui publie quelque chose, je ne sais pas, qui a traversé une très mauvaise période dans sa vie. Tu es au courant, Margaret ? Ben, j'ai vu ça, oui. Ouais. Alors moi, je lui ai mis un petit mot gentil. Alors je ne sais pas, peut-être... Ça fait partie de sa vie ici. Est-ce que c'est une... C'était une partie. Ben c'était une partie pour Daniel Balavoine et tout, qui était très ami avec M. Durruty aussi. Oui, ben oui, puisqu'ils avaient des intérêts communs dans les voitures. Voilà, c'est ça. Mais oui, pour ça, je connais quelques petites choses au niveau des voitures aussi, M. Durruty. Oui, qui avait... Mais ici, il avait quand même des gens qui... Sa mère, Daniel, a travaillé à Biarritz Bonheur. Oui. Oui, elle travaillait comme vendeuse à Biarritz Bonheur. D'accord. Et elle était très connue parce que c'était une femme qui envoyait pas ce qu'elle avait à dire. Hein. Ouais. Ça, les gens entendaient, tout le monde entendait, les clients. Et quand elle n'était pas d'accord, elle avait beaucoup de personnalité. C'est ça, personnalité et caractère. Oui, oui, c'est Mais ça. Il y avait tout un groupe de personnalités médiatisées à Biarritz, à l'époque de Daniel Balavoine, parce qu'il y avait aussi l'écrivain... Philippe Jean, ah oui, voilà, qui habitait Biarritz. À l'époque, il y avait aussi des. Avec les filles de l'église, l'une avait épousé, je crois, Antoine de Caunes. Donc tout ce petit monde était ensemble. Oui. Et il y avait également une princesse, la princesse Marie-Christine de Belgique, qui était du deuxième mariage du roi Léopold III, de Liliane de Réty. Je ne suis pas dans les... Voilà, Marie-Christine de Belgique habitait Biarritz à l'année. Et puis c'est l'époque, je crois aussi, il y avait Diane Tell à Biarritz. Oui, ça c'est vrai. Ben oui, elle était mariée d'ailleurs. Il n'y avait pas aussi Jacques Martin qui était là aussi, qui était au... Ah ben lui, Jacques Alors, Martin... Mais Jacques Martin, c'était dans un autre groupe. Mais je parle d'un groupe, ils se réunissaient beaucoup. Moi, j'avais eu beaucoup d'échos par une défunte amie avec qui nous avons travaillé dans l'immobilier à Paris, qui est Françoise Tsouladze. Et son fils, je crois, habite encore la région. C'est un grand sportif, le fils de Tsouladze. Il a été le capitaine de l'équipe de hockey sur glace d'Anglette. Ah oui, oui. Normandie Club. Ah oui, oui. Voilà, je crois qu'il y a encore deux enfants de Tsouladze dans la région. Et je pense qu'ils ont des anecdotes concernant Balavoine et tout le groupe avait Philippe Jean. Oui, il y avait des petits clans, mais ils s'amusaient beaucoup. Ils s'amusaient beaucoup. Voilà. Ouais, ils faisaient beaucoup. Et puis il y avait un. J'essaierai parce que je viens de retrouver Béatrice Léglise, voilà. Ah oui. Donc j'aurai peut-être quelques échos. Oui. Oui, il y avait... Alors ça, c'est dans les années 80, 70, 80. C'est quand même relativement récent dans notre histoire. 80, tout début des années 90, peut-être, je ne sais plus. Oui, 70, 80. Et moi, j'habitais Paris à ce moment-là. Oui, oui. Mais je m'informais toujours sur ce qui se passait à Biarritz, toujours. Nous, il y aurait eu Radio Biarritz, j'aurais écouté Radio Biarritz depuis Paris. C'est trop gentil. Je vais essayer de voir si je peux pas baisser un peu les stores. Oui. Oh, la chaleur, c'est pas grave. On aurait fait mieux de se mettre dehors parce qu'il y a du soleil à Biarritz, comme vous constatez. Il y a Jacques, il en prend plein les oreilles, là. Plein la tête. Niki va venir nous retrouver. C'est bon, c'est de la vitamine D. Oui, c'est de la vitamine D, Jacques. Tu fais ton stock. Moment, la vitamine D. Il faut en prendre la vitamine D. En plus, elle est gratuite, là. Va pas détraquer les stores, parce que hier... Non, ça, t'es dans la lumière. Oula.
C'est pas grave. Tu vas tout détraquer, le royalty, là. Non, 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 c'est costaud. Attends, il y a un store qui doit marcher, là. Oui, mais c'est électrique, je vois, mais je vois pas l'interrupteur. Mais il me semble que tu l'as avancé un peu. De quoi ? Le store, non ? L'ombre était pas... Enfin, je sais rien. Bon, ben, voilà, bon. Messieurs... Alors, Jacques est spécialisé dans l'histoire de Biarritz et surtout dans la musique, Jacques. Ouais. C'est là où tu vas nous faire quand même... tu vas nous inviter des grands maestros. Je connais pas, ne me parlez pas des groupes de jeunes, de rock, de hard rock et tout ça. Mais tu sais qu'on a... est-ce qu'il y a des jeunes à découvrir de musique classique ? Est-ce qu'il y a des gens à découvrir ici qui font de la musique classique ? Oui. En tout cas, dans la région, on a eu un temps un grand professeur de violoncelle, mais il y a encore de bons professeurs de violoncelle actuellement à Bayonne. Hein. Mais il y avait un monsieur Jacques Douet qui avait des élèves prodigieux et certains éléments du conservatoire de Bayonne, en classe de violoncelle particulièrement, et rentraient au conservatoire supérieur de Paris, ce qui n'était pas évident. Voilà, j'ai connu... de Nuit, Pierre-Luc de Nuit, voilà, qui était élève de Gendron, et enfin d'autres, j'ai connu deux trois jeunes qui étaient, voilà, je pense à Éric Picard, la famille Picard, avec un deux très bons éléments dans la famille Picard, qui sont allés au Conservatoire National, et Éric Picard, il a un pupitre à l'Orchestre de Paris. Ah oui, quand même. Alors, c'est pas rien. On a un Biarro qui est à l'Orchestre de Paris. Voilà, donc ça, c'est très bien. Tu sais qu'on est je suis en train de monter une émission qui s'appelle Tremplin. Et que c'est ouvert à tous les artistes dans la musique et la poésie. Et la musique classique a sa place. Mais je connais moins la musique classique que la musique contemporaine. Donc si tu connais des artistes... qui ont des maquettes, qui jouent, des petits groupes de jeunes, de moins jeunes, des petits orchestres qui se sont constitués et qui ont des maquettes, mais tu peux leur dire que de se mettre en contact avec la radio, avec moi, et de m'envoyer leurs maquettes en format MP3 encore. et puis comme ça, je les passe sur la radio. Et puis après, on pourra les inviter à la radio pour qu'ils discutent de leur passion, de comment ils sont arrivés à la musique, etc. Ouais. Et avec toi, bien sûr, au micro. Alors, ça serait sympa, ça. On a à Biarritz un très bon ensemble. Il faut savoir que Yves Bouillet, je pensais à lui particulièrement, et à son ex-femme, sont tous les deux professeurs de violoncelle au conservatoire de Bayonne, conservatoire Ravel, le CRR de Bayonne. Et Yves Bouillet a monté depuis quelques années à Biarritz un orchestre mélangé d'amateurs et de professionnels. Et il marche très très bien et on a eu... On pourra l'inviter, Yves Bouillet. Voilà, Yves Bouillet est un type fabuleux. Pour nous parler de tout ça. Parce qu'il réunit des gens qui ont fait de la musique classique à titre professionnel, qui sont certains à la retraite. Il y a un contrebassiste qui a plus de 80 ans, qui était, contrebassiste à l'Opéra de Paris, de mémoire, qui habite au Jardin d'Arcadie à Anglette. Voilà, je pense à mon ami Madi Rigoyen, qui est premier violon aussi, qui a fait... du violon à titre professionnel, et qui est premier violon de cet ensemble orchestral, qui est fabuleux, qui fait le plein à chaque fois, qui passe à la gare du Midi, et qui en plus a le mérite d'offrir de la musique classique à un large public avec des tarifs défiant toute concurrence, maximum 15 euros. Ah oui. Voilà. Bon, c'est bien, tu vois, il y a des choses à faire sympas. Hein, tu vois, grâce à la radio, on va pouvoir canaliser nos énergies, parce qu'on... toi, tu dépenses énormément d'énergie dans la musique classique, l'histoire de Biarritz, etc. Et là, l'avantage avec la radio, c'est qu'en fait, toutes les énergies de tous les gens qu'on connaît peuvent venir converger et être diffusées. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut, c'est faire partager nos passions au plus grand nombre. Et c'est vrai que c'est une manière d'être accessible, en fait. Voilà. Et on sort un peu de nos réseaux sociaux, de nos petits qui ont l'air plus ou moins, même si c'est très ouvert. Tu vois, on parlait ce matin des voisins solidaires Biarritz Pays-Bas, c'est ouvert, hein, il n'y a pas de cotisation et rien, je rappelle. Mais les gens pensent que c'est fermé, tout ça. Alors voilà, bonjour. Alors là, je pense que c'est Véronique qui arrive. Avant tout le monde. Je vais laisser la place à Véronique. Non, mais alors attention, voilà. On attend, c'est l'invité de Odile. Attention, vous êtes devant la caméra. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bien, là, les deux chaises. Vous avez remarqué, là. Je voulais faire place.
Mais je vais. Bon, mais bienvenue, hein. Non, non, mais on est en famille ici. Non, moi, c'est Odile qui est. Côté de Patrick, voilà. Mais vous pouvez. On se tutoie, hein. Voilà, d'entrée. Hein. Papa. On va découvrir ensemble Véronique. Ouais, ouais, notre tour. Tout, et on est en direct, hein. En vidéo et en direct. Ici, je vais faire juste le petit topo pour tout le monde. Parce que, voilà, tu vas te mettre là. En fait, regarde, ce qui se passe, c'est que je te montre un peu comment ça se passe. Ici, dans ce petit carré, c'est ce qui est, diffusé. D'accord ? Les scènes, elles se bougent automatiquement. Voilà. Et c'est en direct. Donc on a un petit micro. Donc avec Audi, il va se mettre là. Ah, oh, ben voilà. Oh, on a le public, le grand public. Oh, des stars. Le public arrive. Oh. Ne t'inquiétez pas. Voilà. Oh, mais c'est pas possible. Quelle élégance. Non. Ouais, mais c'est pas grave. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Alors le revenant. Qu'est-ce que t'as fait ton nez ? Mais je suis battu, mais c'est pas grave, je te raconterai. C'est battu. Un combat. Alors. Voilà, enchantée. Bonjour Niki. Salut. Reste deux minutes, c'est juste après. Restez où vous êtes, Véronique. Oui, j'ai une matière, j'ai beaucoup de soleil. Ah oui, ben voilà, ici, voilà. Elle ne veut pas bronzer, Véronique. Et j'arrive pas à bouger le soir. Je retourne à ma place. Moi. Pardon, bonjour, excusez-moi. C'est un peu là-bas. Moi, c'est Patrick Marie, moi. Ah, voilà, Patrick. Vous allez essuyer les plats. On essuie les pas, on commence les émissions. Bon, là, on s'installe, on attend Odile, et puis après, on va apprendre à connaître Véronique. Donc, on laisse tout ouvert parce qu'on est à la maison. Mais ouais. Oui, non, mais bon. Je raconterai. Une bagarre de rue. J'ai pris un régiment. C'est sa femme qui est tombée. Oui, vous êtes nombreux. Non, c'était une jeune femme qui était mariée avec un Delataille. Comment on va faire pour les sports ? Comment il s'appelle ? J'aimerais bien descendre un peu ce sport. Non, il faudrait demander au serveur, comment il s'appelle le serveur qui vient, là, Jacques ? Christophe. Il faudrait demander à Christophe. Non, on va demander à. Tu peux aller demander à Christophe ? Ah non, moi je suis de la taille. Ah oui. Non, c'est pas bien. Le signal, on n'est plus que tous les deux l'antenne. Ouais, on parle d'anglais, on a une voisine d'anglais, alors je vais s'intéresser. Les micros sont là-bas. Comment ? Oui, j'ai commencé le golf très tard, une vingtaine d'années. À 67. Il n'y a pas d'âge. Ah, oui. Mais non, il n'y a pas d'âge, bien sûr. J'avais passé 32 ans à la direction. Mais non, vous voulez. Alors nous avons chaque part la mémoire vivante de Biarritz. J'ai travaillé en face à l'agence bancaire. Ah oui, oui, oui. Mais je dis, non, parce que j'ai connu des membres de la famille de la Taillade. Ah oui, à la chaîne le passé. Oui. À Bayonne, j'ai noté. Oui, mon père est toujours à Bayonne. Oui. Quand c'est Cartier-Berry. Enfin, j'ai connu des de la Taillade. Oui, c'est ça. J'ai connu, moi, je travaillais pour la famille Hortassou. Ah, ben oui, c'est ça. C'est vous voyez, ça famille, se passe famille, en famille, ici, chez la Terlude. On se donne 6 mois pour se fonder dans notre essence radio. On a du minimum. Par exemple, vous voyez la caméra. Quand quelqu'un prend la parole, la caméra est un peu seule. L'intelligence artificielle. J'ai vu dans le domaine artistique, j'ai vu ça hier, il y a des chiens qui dansent. Ah oui, sûrement. C'est complètement.
C'est ma mère qui s'est embrassée par des chiens pour vous. Oh bah, on l'a pas. Je vais pas aller les voir. Alors après tu te mettras à l'apéro, hein, comme ça tu seras en fait ici tu vois, non, mais de toute façon, le soleil va bouger. Il va bouger, voilà. Mais là tu, si tu te mets comme ça, t'es, oui, t'es le dos. Vous êtes sûr que le soleil bouge? Moi je suis pas d'accord. Et oui, il va bouger le soleil. Bon, Niki, tu vas avoir des choses à nous dire, viens un peu. Non, bah vous, je reviens de Paris pour choisir la robe de mariée de ma fille. Ah, super. C'est vrai. Je n'en veux plus de robe de mariée. Alors là, ça y est, il se marie. Bah oui, il se marie à Paris 11e à la mairie le 14 mai. Oh là, et le 6 juin au Pays de Galles, chez nous, pour l'église et la fête. Mais bon. C'était quelque chose. Bon, Niki est une nouvelle Biarronne depuis 2 ans. Ok, hein. Super. 2-3 ans maintenant. Bon, la maison, on l'a achetée il y a 5 ans quand même. Hein. Mais je suis vu mon mari qui a pris sa retraite. Alors, voilà. On est là, j'adore. Elle habite à la Champagne impériale. Ah, c'est le père. Ouais. Il faut. On essaie, je sais qu'on est des millions de téléspectateurs qui nous regardent. Oui, oui. Vous ne pouvez pas avoir des millions de fan clubs devant chez vous. Vous ne connaissez pas les adresses de tout le monde parce que. Ouais. En tout cas, pas bon, tout de suite. Patrick, je vais vous dire où il habite. Non, il y en a qui le savent. Une maison où il y a des volets roulants qui lui tombent sur le nez. On a quelques voisins bienveillants qui savent très bien où j'habite. Ils me l'ont fait savoir. Voilà. C'est ça. Oui. Alors, ouais. Alors, donc, on attend Odile. Tu viens d'où alors, Véronique? Oui, je viens de. Ben, j'étais à Paris longtemps. Non, mais pas toute l'histoire, c'est avec Odile, tu fais ça. Non, mais là, maintenant, tu habites où? Je viens de chez elle. Je viens de chez moi, là, tout de suite. Ah, de chez moi. Oh là là, le mari de Véro. Mais c'est pas possible. Il n'y a que du beau monde ici. Je vais mettre à côté. Voilà, voilà. En fait, tu vois, regarde, tu essayes de suivre. Moi, j'essaie de suivre de loin un peu la commande. Oui, donc oui. Ça, tu vois, il y a un plan large, ça se rapproche comme ça veut. Voilà. Non problème. Ça nous suit un peu. Ouais, c'est super. Donc, si tu ne bouges pas, la caméra, comme ça, elle va te capter que tu es là. Ah, voilà, très bien. Et puis après, elle va bouger comme elle veut. C'est assez libre. D'accord, très bien. Alors, monsieur Véronique Mais mets-toi là-bas, va boire un café là-bas. Elle ne veut pas te voir. Mais non, mais il y a des tables partout. Mais oui, mets-toi là-bas, c'est ridicule. Mets-toi là-bas. Là où il y a 5 minutes de champagne. Voilà, va boire du champagne. Voilà. Attention, il y a la radio là, attention. Non, mets-toi là-bas. Ça, c'est la radio, là-bas, touchez pas. Attention, voilà. Oh là là, vous êtes passé à ça. Vous avez vu la taille de votre caméra? Margaret, on a fait connaissance de Margaret la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Voilà, maintenant je viens faire un petit peu de chronique. Quand on parle, on prend le micro, c'est mieux. Ouais. On vient faire un peu de chronique ici, voilà, je trouve ça très très bien. Et puis nos amis de Biarritz nous écoutent en même temps. Et voilà. Excellente initiative. Ouais. Et toi, c'est quoi ton sujet ou tes sujets? Alors, bah, mes sujets, moi, c'est plus un peu de course hippique, hein, voilà. Voilà, parce que j'étais un petit peu pendant 15 ans dans ce milieu-là. Voilà, et aussi tout ce qui est voiture, quoi, course de voiture et tout, voilà. Partie de clubs de voitures ici sur Biarritz. Anciennes et nouvelles, voilà. Ouais. Je vais juste au niveau technique. Plus on approche le micro, quand il y a du bruit autour, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Par contre, il faut rapprocher le micro. Comme ça, voilà. Si vous voulez qu'on vous entende. Ah oui, si je veux qu'on. Parce que quand il y a du bruit autour, le micro. Sinon, si vous le mettez loin, il va capter aussi le bruit autour. Si vous le mettez là, il va d'abord vous capter à vous. D'accord. Voilà les filles. À vous. Ça va et toi? Ah! Voilà, mais écoute, tu vas te mettre à la place de Margaret. Tranquille, on va faire le débriefing, on va s'installer tranquillement. Mais où sont les micros?
Où sont les caméras? Je vais tout te montrer. Regarde, je vais voir, ça fait pas mal. Odile vient d'arriver. Alors, elle va s'installer. C'est sa première hein, sur Radio Vague, mais c'est sa première. Attention. Hein. Voilà. Il y en aura d'autres pour son émission L'Art en Lumière. Donc, je vais juste faire le petit tour de la maison parce qu'elle découvre en même temps. Donc, encore une fois. Donc, bonjour Odile. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Alors, nous sommes en direct et en vidéo. Déjà. Voilà. Donc la vie est un spectacle. Hein. Donc la radio Biarritz, c'est le spectacle de la vie. Il faut que je note tous mes slogans, c'est énorme. Tiens, regarde. Ici, le petit carré que tu vois là, celui-là, c'est ce que les gens voient en direct. Ok, ce petit carré-là, d'accord. Voilà. Ils ne nous voient pas. Mais si. Là. Je suis un peu déphasée, là, tu sais, bien, je sors de mon atelier, donc... Là, on se retrouve... Voilà, donc, regarde, je vais t'expliquer, donc, les micros, c'est ça. Ah, ça, c'est un micro, ça, c'est un micro, c'est pour ça que j'ai une forme de micro. Là. Je t'avais demandé d'amener les micros dorés. Non, là, c'est trop... Pour l'instant, j'ai trop... Mais tu sais, il me faut un... Bon, on fera, mais... Un univers de décoration. Quand je mets déjà tout dans un sac à dos. Là, si je prends les autres micros, il me faut deux valises. Il me faut deux. Ben oui, parce que ça demande plus de matériel. Bon, alors, Attends, je te montre... Attendez, non, parce que là, ça manque de décoration. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Regardez un peu ce que nous amène... Odile. Attendez, il y a un petit souci. Ah ben non, tout va bien. C'est parce que c'est la gravité. Ok, bon, mais tu nous expliqueras à quoi ça sert. Par contre, là... On se voit plus, là. Voilà, on se voit plus. Donc, tu la mettras... Alors, comment vous allez faire, les filles? Mais tu la mets dans l'endroit, là, dans le coin, là-bas. On la met là. Même après, on voit plus Margaret. Voilà, on la met là. Voilà. Alors, je continue mon petit tour de... Bonjour les amis, vous êtes venus nombreux, mais quel bonheur. Vous avez un très joli dos à la caméra. Oui, mais on est à la maison ici. Alors, micro. Le micro, alors comme j'expliquais, c'est pas grave qu'il y ait du bruit aux alentours. Il suffit d'approcher le micro là et ça capte d'abord ta voix. Mais c'est parfait. Faut pas parler trop fort, tu parles normalement. On est en direct en permanence. Donc tout ce qui peut, tout ce qu'on, voilà, peut être retenu contre nous. Toutes les grimaces que l'on fait vont être immortalisées dans une vidéo. Donc, des questions, c'est toi qui prendras le micro, tu diras les questions que tu veux, parce que de toute façon on est entre nous, c'est pas grave. Donc quand on sourit, ça se voit, quand on sourit pas, ça se voit pas, etc. Je vais, on va faire venir les cafés. Donc ça, c'est les micros. Là, tu vois ici, de loin, tu peux voir un peu ce qui se passe. Voilà, ça change. Ça change comme un petit bon bec. Ça peut bien. Voilà. Donc ça change tout seul. C'est comme si il y avait un gars à la région. Mais ne stresse pas, tout va bien. Oui, voilà. 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 Mais maintenant, je vais vous laisser. On est à la radio, mais on est filmé. Oui. C'est bizarre, non? C'est une web radio. C'est comme ça maintenant. C'est une visuelle web radio libre. Maintenant, c'est comme ça. Il y a trois flux vidéo. Il y a un flux musical sur le site internet. Il y a un flux live. C'est celui-là. Okay. Et il y a un flux de films enregistrés. Super. Les gens qui veulent le voir, ils trouvent la fréquence sur radiobiarritz.fr. C'est sur radiobiarritz.fr. Regarde, cadeau, radiobiarritz.fr et une petite hostie de Radio Biarritz. C'est le logo que tu peux accrocher comme ça. Tu vois, moi je l'ai mis derrière. Là. Ah, super. Voilà. Le logo de Radio Biarritz. Eh oui, toi tu l'as eu, toi? Mais j'ai pas eu l'hostie. J'ai une hostie. Voilà. Donc, il est les enfants moins le quart. Je laisse les deux filles s'organiser. Tu démarres quand tu veux. Tu es chez toi jusqu'à midi. Et puis nous, on pourra poser des questions. D'accord? Éventuellement. Parce qu'on va apprendre à connaître Véronique. Alors, voilà, son parcours, son œuvre, qui elle est. Là, on veut tout savoir. Voilà. Et ce qu'il y a dessous le tissu, on veut tout savoir. Alors voilà, je vous laisse ça ici, les filles.
Je vous laisse ça ici. Moi, je vais te prendre. Tu veux un petit café, quelque chose? Moi, plutôt un thé. Un thé? Non, rien, moi, pour l'instant. Un verre d'eau, peut-être? Oui, voilà. Allez, un verre d'eau. Oui, en attendant le thé, un verre d'eau. Voilà. Et maintenant, vous prenez les micros en main et vous racontez votre vie. Mais on commence à 11h, non? Oui, il n'y a pas d'heure. Ah, y a pas d'heure. Vous êtes maintenant en ligne, vous démarrez. Dites-vous que vos amis sont en train de vous regarder. Voilà les filles. Attention, là c'est on se jette à l'eau. Mais non, mais je m'attendais pas du tout à ça. Mais moi non. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi je suis dit bon, on va arriver dans une ambiance EHPAD avec hein, le lendemain de la Toussaint, c'est un peu normal. Oh. Surtout qu'aujourd'hui le 2 novembre, je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, le 2 novembre, nous fêtons la fête celtique Samhain. Voilà. Donc, rien à voir avec Halloween et tout ce genre de... Samhain, c'est quoi? Et tout ce genre de festivités sataniques, on ne va pas le dire. Voilà. Donc, le Samhain, ben, on fête, en fait, aujourd'hui, nous fêtons les défunts. Et... mais pas les défunts, les morts. Nous fêtons notre mort, notre propre mort. Oula, ça voilà, bien. Pour renaître. Voilà, pour renaître. C'est pas du tout une mort physique, c'est une mort de l'âme. Et nous sommes en pleine renaissance, en plein éveil de la conscience. Et oui, parce que tu nous parles de ça, parce qu'en fait, moi, alors avant peut-être de présenter ton invité, déjà, comme tu arrives sur l'antenne de Radio Biarritz, tu as déjà peut-être te présenté rapidement. Après, les autres fois que tu viendras, tu diras qui tu es, parce que tout le monde ne te connaît pas. Et c'est vrai qu'on arrive, on arrive chacun en disant voilà notre, ben voilà ce que je veux vous dire. Donc présente-toi pour que tout le monde apprenne à te connaître. Pour comprendre le ton, en fait, de ton émission et la manière dont tu vas interroger oui, les gens. Oui, bon, ben moi, j'ai horreur de me présenter, déjà, donc il y a pas mal mais de... C'est un exercice à faire. Il y a pas mal de faire. Monde qui me connaît ici sur Biarritz. Je fais partie d'une vieille famille biarrote. Odile Arthéon, voilà. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, Odilon, sous mon nom d'artiste. Voilà, donc je peins la lumière, je peins une énergie... une énergie dont on a tous besoin en ce moment. Hein. C'est un peu compliqué de se présenter. Oui, c'est compliqué. Faut que tu parles à la caméra. C'est les gens sur la caméra. Mais où est la caméra? Elle est là. C'est ça. Ah oui, ce petit truc. Oh, moi, je me suis dit, je vais arriver dans un studio avec, non, plus dans les années 80. Avec les fils, je me vautrais dans les fils. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, c'est très chic. Je trouve que le public est très, très, très attentif et très classe, surtout. Très classe. Voilà. Bon. Ah, ben voilà. Non, mais le profil est. Non, le point rouge, c'est on est en direct, là, tu vois. C'est comme à la télé. C'est le seul truc qui ressemble à la télé, c'est le point rouge. Donc tu nous dis top quand il est 11h, hein, parce que. Mais non, tu commences maintenant, tu te présentes, tiens, profite-en pour te présenter. Le point rouge, c'est le lieu de. Qu'est-ce que tu fais voilà, oui, mais bien sûr, oui. Qu'est-ce pourquoi que tu fais bon, allez. Voilà, peut-être interroge là et après t'interroges. La boule. La boule. La boule. Je veux savoir ce qu'il y a dans la boule. Ah ouais, je suis très intéressée par la boule. C'est une sphère de lumière. Comme, oui. Voilà, il fallait un peu de lumière dans cet endroit. Oui. Donc partout où je passe, je mets la lumière, voilà, comme une énergéticienne de lumière. Il y a des tas de thérapeutes en ce moment qui émergent avec ce qu'on vit. On en a bien besoin. Donc en ce moment, là, on assiste à la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et tout est en train de se révéler. Toutes les zones d'ombre sont en train d'émerger et de se révéler au grand jour. Donc cette lumière est très importante et on l'a tous en nous. Hein, on l'a tous en nous, donc il suffit de l'activer. Et à ce moment-là, elle irradie tout autour de nous et sur la planète. Donc de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui sont en train de s'ouvrir à ça et de... Voilà. Là.
Je savais pas que j'allais faire tout un petit speech là. Il me dit vas-y, Radio Biarritz, la radio qui s'écoute au rythme des vagues, ça va être cool, c'est sympa. C'est dynamique. Bon, alors, oui. Ouais, c'est moi qui suis un bonjour, peu... Bonjour, Odile, ça va? Youhou. On nous voit, là. Voilà. Bon, moi, j'adore alors... cette boule. Tu veux pas qu'on l'ouvre, la boule, pour non, commencer? Non, on va pas l'ouvrir. Pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Bon, alors, d'accord. Il n'y a pas de chocolat dedans. Bon, d'accord. Dommage. Il y a des cadeaux. Il y a juste des cadeaux. Et Véro, on se connaît depuis tellement d'années. Hein, je suis... ravie de t'accueillir pour cette première émission L'Art en Lumière. Et moi je connais ton parcours, mais je pense que les auditeurs ne le connaissent pas. Donc ce serait sympa que tu nous parles un peu de toi et de ta. Et de ton art. Bien sûr, bien sûr. Alors toi tu parles de lumière, moi je parle de chaîne et de trame, en fait. Mon discours c'est le croisement des fils. Et. En fait, qui rejoint la lumière aussi, parce que finalement, c'est presque un symbole de l'infini. Et travailler la vie, c'est ça, c'est des fils qui se croisent, des énergies qui se croisent, le yin et le yang, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est ça mon parcours, en fait. Créer la vie par le fil. Et voilà, en deux mots. Donc, quand le fil se déroule, que se passe-t-il? Quand on tire un fil et qu'il se déroule, il y a toute alors une histoire. Alors moi, je ne le tire pas. Je vais l'enrouler plutôt. Je vais enrouler le fil. Donc, c'est en fait, c'est le fil de la vie. C'est toujours cette association de chaînes et de trames. Le fil dans un sens, le fil dans l'autre, qui va créer la vie et la lumière dont tu parles. C'est donc, exactement la même chose, en fait. Et quand as-tu eu cette envie de tisser, de fabriquer tous ces textiles magnifiques? Alors, ça, c'était pas une envie que j'avais en moi spécialement. Comment c'est arrivé? Oui, voilà. Alors plutôt. C'est arrivé essentiellement par une rencontre. Une rencontre avec un tisserand anglais, Jeremy Spencer. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui le connaissent. Il était quand même assez connu dans la région. Et qui m'a accepté, qui m'a prise comme élève, comme apprenti dans son atelier. Et qui m'a transmis son savoir. Et voilà. Donc c'était une rencontre. Moi, je suis rentrée dans cet atelier. C'était assez étrange, c'était pas très fun, parce que je me retrouvais sur des métiers à tisser avec des fils qu'il faut ordonner. Enfin, c'est compliqué, l'apprentissage est compliqué. Et en fait, il m'a transmis quelque chose qui est tout à fait professionnel, puisque lui venait de Saint Martin School, il tissait pour Chanel. Enfin, c'est quelqu'un assez pointu, donc il m'a transmis tout son savoir et qui ne m'a plus quitté. Voilà, j'ai continué à faire des tissus tout le temps. Et ensuite, j'ai adapté. J'ai plus fait un tweed classique, j'ai fait un tweed perverti, on va dire. Voilà. Alors un tweed perverti? Un tweed perverti. C'est un tweed non classique. Voilà, c'est-à-dire toujours sur une base vraiment. Anglaise, écossaise, très très classique. J'ai détourné tout ça et encore une fois grâce à d'autres rencontres avec des stylistes, des créateurs, en particulier Jean-Charles de Castelbajac, avec qui j'ai beaucoup beaucoup travaillé. Et donc on a créé des tweeds différents et toujours avec des utilisations de différentes fibres. Et aller plus loin que ce que j'avais appris, en fait. Ben oui, laisser libre cours à sa créativité. Voilà, c'est ça. Mais toujours sur une base très classique, finalement. Ben oui. Et on a créé plein de choses. J'ai fait des tissages de plumes, des tissages de caoutchouc, des tissages de toutes sortes de fibres. Et après, pour beaucoup de créateurs et pour la décoration aussi, beaucoup.
En décoration également. Oui, c'est-à-dire des pour David X spécialement. C'est un décorateur anglais qui adore les couleurs. Moi, je suis vraiment coloriste dans l'âme. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, des plaids, des choses comme ça pour ses boutiques à Londres et à Paris également. Ouais. Et puis d'autres façons de faire vivre ce savoir, créer des gammes de couleurs pour des gens qui fabriquent du fil. Toujours dans la couleur finalement. C'est ça mon truc. Donc toute cette créativité, ce savoir t'a amené évidemment à voyager, à découvrir des cultures. Oui, un peu sur le tard d'ailleurs. Oui, mais enfin oui, c'est sûr que aller chercher du fil en Irlande, en Écosse et aux îles Hébrides, au nord de l'Écosse, c'est un trip pas possible. Et visiter tous ces ateliers merveilleux qui existent toujours, surtout dans les îles Hébrides d'ailleurs, où mon cher mari m'a bien voulu m'accompagner. Visiter des ateliers où les tisserands tissent toujours dans les maisons et c'est eux qui fabriquent le fameux Harris Tweed. Donc ça, c'était une aventure extraordinaire. Après, il y a d'autres pays, bien sûr, qui m'inspirent. Tous les pays sont inspirants, en particulier le Guatemala, où nous étions aussi, où j'étais dans des ateliers de tissage. Enfin, chaque fois, chaque voyage est un prétexte à aller voir ce qu'ils font avec le fil, puisque c'est universel. C'est un langage universel. Tout à fait, oui. Donc ça c'est un peu facile ce que je vais dire. C'est le fil conducteur de tout mon intérêt dans la vie et dans les voyages. Mmh. C'est toujours ça. Et alors quand tu rentres de voyage, c'est... Je fais. Bien sûr. C'est très inspirant, toujours. Après, j'en fais ma cuisine, hein, j'en fais mon truc personnel, mais c'est toujours très très. Je recherche toujours de me nourrir de différentes cultures, d'images, toujours des images, ce que font les gens. J'adore m'inspirer de ce que font les gens. Ça, c'est un truc qui m'impressionne beaucoup dans tous les domaines. Tu vois, on parle de toi. J'adore ce que tu fais et ça m'impressionne aussi. Oui, tu vois, dans la qualité, dans le geste qui est sûr, l'excellence, on va dire, tout simplement. Voilà, on est dans l'excellence. On essaye. Et alors, toujours. Et alors, bon, moi, tu m'as invité dans ton atelier, bien évidemment. Tous ces fils, ils sont extraordinaires. Où trouves-tu ces fils? Ben justement, les fils, je les trouve beaucoup en Écosse, en Irlande, bien sûr, tous les fils de tweed, c'est là-bas. Et puis sinon, c'est un réseau que je ne vais pas te dire forcément, hein, c'est mon secret, ça. Voilà. Mais c'est toujours une aventure de chercher du fil. Moi, je cherche du fil. Alors le fil, c'est par kilo, c'est des gros, ça prend de la place, enfin c'est... C'est un truc. Mais je suis toujours à la recherche de fil. Toujours, toujours. Oui, bon. Et c'est ça qui va m'inspirer aussi, d'ailleurs. Les textures, les différentes qualités de fil. Toujours je vais pas tisser du polyamide et des choses comme ça. Ça, sûrement pas. Ni du plastique. Ça, c'est sûr. Donc, c'est toujours une qualité. Je cherche la qualité, toujours. J'avais vu toute une collection que tu avais faite pour l'endroit où tu vas passer l'hiver. Ah oui. Qui était très intéressant, oui. Qui était magnifique. Oui, c'est une autre clientèle parce que nous passons une partie de l'hiver dans les Grenadines, précisément à l'île Moustique. Et donc là-bas, bien sûr, j'expose des choses et je vends des créations, beaucoup de tissages de cordes, de raffia, des choses comme ça, des collections d'été, puisque là-bas, on est en plein été quand même. Oui. Des sacs, des accessoires, pas mal d'accessoires aussi.
Bon, ben c'est génial. Ben, écoutez, nous allons faire une petite pause et ouvrir cette sphère de la lumière. Boule magique. Ça, elle m'impressionne, cette boule magique. Beaucoup. Magnifique. C'est toi qui l'as faite, Odile, en fait, non? Oui, alors en fait... C'est magnifique. En fait, il y a une tradition chez Radio Biarritz. Je vous passe le micro, vous allez... Oui, bon, non, ouais, je ne sais c'est pas gentil. Pourquoi je le vois. Ouais, ouais, merci, madame. Et alors, en fait, la tradition faut... qui a été lancée par ça, Virginie de, du Petit Bijou, ah, oui en fait, c'est la boîte à questions de Radio Biarritz. Donc là, on en a fait une boîte à questions un peu plus sophistiquée. Waouh, mais parce que voilà... Bon, elle est sympa la boîte hein, aux petits bijoux, hein. C'est un seau à champagne, mais bon. C'est super beau. Mais là, là franchement, tu as bricolé une sphère magnifique. Magnifique, dorée. Magnifique. Et puis c'est avec, un cadeau, Odile. Avec des questions. C'est un cadeau à la fin de l'émission ou pas? Mais voilà. Oui, alors en fait, mais non, parce que je vais animer d'autres émissions, donc il va falloir que je m'en resserre. Ah, mais bien c'est... sûr. Mais, d'accord, ok. Bon, tu m'en feras une. Voilà. Ouais, j'aurais une petite question pour Véronique, juste, c'est tu fais des habits aussi? Tes tissus se transforment en habits? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai toutes sortes de choses. Moi, je crée des tissus. Donc après, bien sûr, je crée... j'ai beaucoup travaillé pour des stylistes, comme je disais, pour la mode. Mais également, bien sûr, j'ai tout un réseau de couturières qui vont fabriquer des vêtements avec mes tissus, bien sûr. Pour des marques particulières ou des créateurs? Non, aujourd'hui, moi, je suis plutôt sur mon truc à moi. Et t'as une marque ou que... Non, ben, ma marque, c'est Véronique de la Taillade. D'accord. Ça a toujours été ça. On trouve des habits Non, pas du tout. Donc... C'est très, très confidentiel et c'est sur commande. Voilà. Il faut venir me voir. Voilà. OK. Ouh là là. Non, parce que... Ça donne envie, non, mais attends. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste... Il faut comprendre que... Un tissu tissé à la main, puisqu'il s'agit de ça quand même, oui. c'est quelque chose de. Enfin, c'est un peu. C'est une œuvre d'art. C'est un peu. C'est un travail, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça en 5 minutes, qui a une valeur de temps, surtout bien sûr, et de création et d'exclusivité, puisque moi, mon propos, c'est de jamais faire 2 tissus pareils. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Sinon, on va. En Chine, acheter des mètres de tissu. Donc moi, je fais des tissus exclusifs. Voilà. Donc c'est eh ça ben, mon nous, on propos. On est très honorés parce qu'on a en plus une exclusivité pour une personne qui crée de l'exclusivité. Voilà. On reste dans l'exclusivité. Par exemple, si tu voulais une veste ou quelque chose comme ça, bien sûr, tu t'inspires de mes collections, de mon book et tout ça. Tu me dis, je veux un truc avec du vert et du rose, je vais faire. Mais ça ne sera jamais exactement ce que tu as vu dans mon book. Oui. C'est ça mon propos, sinon il n'y a pas d'intérêt. C'est super. Donc alors, voyons, je vais redonner le micro à Odile qui va nous expliquer cette magnifique sphère. Hein, vous avez vu la boîte à questions. Alors, je prends un truc, c'est ça? Alors, à quoi ça sert? C'est quoi le but? Vas-y, raconte-nous. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui va se passer? De mieux connaître notre invité à travers des questions de Proust, tout simplement. Ah ben, j'en suis sûre. Voilà. J'en suis sûre. Le questionnaire de Proust. Attends. Ouh là là. Est-ce que j'ai besoin de mes lunettes? Vas-y. Ce que vous appréciez le plus? Chez vos amis. Chez mes amis. Ça, c'est une grande question. Une grande question. Moi, ce que j'apprécie, c'est comment dire? D'abord le charme. J'ai besoin de gens qui ont du charme, tous les charmes. Et ensuite la confiance, la vérité, le talent, enfin plein de choses quoi. Voilà, j'apprécie tout ça. La grâce. Voilà. Allez, une deuxième petite question. On et la fidélité. On en tire 3. Et la fidélité aussi chez mes amis. Oui. Donc tu es par exemple un exemple. Voilà. Merci. Tu ne brodes pas autour des réponses. C'est assez. Je suis endormie. C'est le soleil qui me. Oui, t'as le soleil. C'est la lumière, ça devrait te réveiller. Non, ça me met en état méditatif. Ah, mon occupation préférée. Moi, j'adore bouquiner, j'adore lire, la lecture. Toutes les lectures, j'ai pas du tout. Toutes les lectures. Le cinéma, la lecture, le golf, accessoirement. Voilà.
Et tu partages. Je vais prendre le micro. Tu partages avec Odile certaines passions. On partage peut-être pas vraiment certaines passions, mais moi j'aime ce qu'elle fait. Donc j'aime cette fille parce que ce qu'elle fait me plaît. Voilà, c'est ça qui nous rapproche en fait, tout simplement. Voilà. D'accord, très bien. Depuis toujours d'ailleurs. Hein. Allez, on retire une autre question. On va en tirer 4 ou 5 quand même, hein, parce que. Mais on va essayer de broder autour des réponses. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Qu'aimeriez-vous dire à vos voisins? Ah oui, les voisins. Ah oh, ben parlons-en, tiens. Eh oui, non, mais c'est important. Hein. Non, les voisins, moi je les aime beaucoup, les voisins. Moi, j'essaie d'aimer les gens, c'est pas toujours facile. Hein. Mais je fais des efforts. Donc je les aime beaucoup, mes voisins. Que tu les aimes et que tu leur pardonnes, parce qu'on les aime pas tous, peut-être? Oui. Bon, je sais pas. Non, mais je les aime bien. Je les aime bien et voilà. Essayons d'être bienveillants. Ça peut aider dans l'univers. Ils peuvent compter sur toi, tes voisins? Oui, je pense, oui. Oui. En temps voulu, bien sûr, oui. Sans abuser. Voilà, c'est ce que, oui. Mais oui, je pense qu'ils peuvent compter sur moi. Oui, tout à fait. Toi, tu peux compter sur eux, tu penses? Oui, je pense. Restons optimistes. Bon, je suis une optimiste, moi. Je suis une grande optimiste, en fait. Un voisinage équilibré, j'ai un voisinage qui est mon voisinage. Ah, ben voilà. Super. Voilà. Voilà. Et oui, parce qu'on ne t'a pas dit, mais en fait, c'est un outil qui est issu d'un grand travail de réflexion qu'il y a eu autour des voisins solidaires Biarritz Pays Basque. Ah, ok. La radio. Mais ah, bon, oui. Voilà. Et puis en même temps, ça a donné du sens à plein de projets qu'on a bien eu sûr. Avec mes camarades. Bien sûr. Et, mais surtout, l'idée, c'était de continuer de créer du lien d'une autre manière qu'avec les réseaux sociaux, qui est quand même un travail. Les réseaux sociaux, c'est quand même très chronophage. Bien sûr. C'est fastidieux, ça change tout le temps, bien c'est sûr. Technique, ça demande apprentissage. À la limite, c'est presque un métier. De passer son temps. Et puis, je trouve que c'est pas aussi, la parole n'est pas aussi libre, parce qu'on, quelque part, on s'auto, je vais pas dire censurer, mais on construit davantage les messages qu'on met sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on écrit, on fait attention à l'image que l'on envoie. Vrai. C'est surtout l'image qu'on veut balancer. Donc, à la limite, on se filtre. On fait attention, oui, c'est vrai. On s'auto-filtre. Oui. Mmh. Et l'exercice du direct, ben là, c'est un, on se filtre, on est nous-mêmes. Absolument. Même si on ne va pas dire des gros mots, même si ouais, on ne va ouais. pas essayer de donner notre opinion sur des ouais, choses ouais, on bizarres. Oui, on reste, on fait attention. Même si, voilà, on essaie de faire attention, mais tu vois, même. On a chacun son petit, sa petite flamme qui a des couleurs différentes oui, et puis on l'exprime. Une spontanéité qu'on peut avoir comme ça. Tu vois, par exemple, en vous voyant toutes les deux, là, à côté, on voit Odile qui a démarré tout de suite avec de la spiritualité. Oui, oui. Mais la spiritualité est liée à la lumière et à l'obscurité. Oui. Alors, très particulier, mais elle aura l'occasion sûrement régulièrement de nous parler. Un peu, en tout cas, de par sa manière de poser des questions. Parce que c'est vrai que là, elle est arrivée comme un... Non, mais c'est bien, un moi caillou, j'aime mais là, bien. On démarre là, j'aime comme bien ça. Ça, c'est bien. Mais c'est bien. Petit à petit, quand on se sent plus à l'aise, on est davantage naturel, tout en ayant de la retenue. Voilà, parce qu'on a le temps sur la radio. Exactement. On a le temps. La radio, c'est voilà. merveilleux, alors en fait. Que tu vois, c'est là, magique, la radio. Hein. Alors que les réseaux sociaux, il faut, tu vois, Twitter, il faut que dire tout ce qu'on a à dire en quelques mots, en une photo. Donc là, la radio, on a quand même le temps. Ah donc, ouais, c'est donc on a le temps, on a les jours bien. Devant nous, on a l'année, on a la vie. Ah. Et toi, tu es plus, je te trouve plus terrienne. En fait, tu parles de fil, tu vois. Même si tu étais dans la couleur, etc. Mais la couleur, ça se construit. Il faut des pigmentations. Donc on est dans la matière. Ouais. Et la matière et la lumière. La lumière, c'est aussi de matière hein, pour les physiciens. Bah, il faut de la lumière pour construire un beau tissu. Il faut toujours de la lumière. La lumière est utile pour les couleurs en tout cas. Ah oui. Et puis le tissu en lui-même, la texture, le. Comment on appelle la science c'est là, vachement qui, important, ça. La science, en tout cas la technique d'analyse où on étudie les couleurs. La chromatologie, quelque chose oui, comme ça. Oui. Et oui. Le lien avec la lumière, c'est que la couleur est aussi une longueur d'onde. Absolument, et c'est un lien direct. Hein. Un lien direct avec direct. L'énergie, ah, oui, qui est aussi oui, une oui. longueur d'onde. Ah, oui, oui. Avec la lumière, qui est aussi une longueur d'onde. C'est en fait, tout ça, c'est la longueur d'onde. Ouais, donc ouais. Le point commun, je vais le noter.
longueur d'onde. C'est la longueur d'onde. Je vous ferai un cours de physique. Là, non, mais c'est vachement intéressant. Voilà. Mais on est, ouais, c'est pas si loin. C'est pas si loin, en fait. Voilà. C'est donc, on reprend une petite. Ah ouais, ouais. Un petit papier. Pour la route. On dirait des petits oiseaux bizarres. Ben. La situation la plus étrange à laquelle vous avez dû faire face. Oh là là, the stranger thing. Alors ça. J'en sais rien, tiens, j'ai pas réfléchi. Je peux en prendre une autre et puis je réfléchis. La plus étrange. Il y a des jokers. Oui, jokers. Hein, joker, il faut que je réfléchisse. Parce qu'en fait, il faut pas réfléchir, il faut mettre le mental de côté. Oui, mais la chose la plus étrange. La plus étrange moi, j'en ai vécu plein d'étranges. Et ouais, donc tu vas nous donner un petit truc un peu sale. Ouais. Mais je vois pas tout de suite, là. Ouais, d'accord. Allez, une autre. Il faut que je réfléchisse. Joker. Allez. Joker. J'en ai vécu plein. Votre poète préféré, oh, mon poète préféré, c'est mon poète préféré. J'aime beaucoup Pablo Neruda, beaucoup, beaucoup, énormément. Et Baudelaire, bien sûr, Baudelaire et Neruda. Beaucoup, beaucoup. Alors, tu sais qu'on aime la poésie sur Radio Biarritz. Ah, c'est super. Et on en passe sur le flux audio hein, dont je t'ai parlé sur le site internet. On passe à poésie. Et j'enregistre notamment, j'ai commencé par enregistrer un poète de mon quartier. Ah, c'est génial. Qui a quasi 90 ans. Ah. Qu'un ancien, on va dire, chanteur des deux cabarets sur Marseille et Paris. Voilà, il a connu au début des carrières des anciens chanteurs. Top. Et donc, toutes les semaines, on enregistre 4-5 poésies. Il en a écrit plus de 3000. Ah, c'est chouette. Et donc, là, on en a 40 qui passent sur le... Comme ça, mélangées à toutes les musiques. Ah ouais, c'est super. Donc, je disais tout à l'heure que... Ouais, bon, je l'ai dit aussi. C'est un flux... un sillon intemporel de musique... Et de poésie, je vais rajouter. Waouh. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien l'écriture. Et ça, c'est un exercice aussi extraordinaire, hein, l'écriture. Ah, l'écriture. Oui. C'est magique, l'écriture. Alors, à Paris... C'est... Ah non, mais l'écriture, c'est incroyable. Ouais, c'est Jacques pourra nous en parler, si tu connais. J'ai été voir le musée... c'est pas des écritures, c'est le... Ah, je vois pas. C'est un musée qui réunit en fait justement les originaux des auteurs. Ouais. En tout cas des textes originaux, mais ça peut être aussi des compositeurs comme Mozart. Donc tu as les partitions originales. Alors, tu vois le format des papiers, tu vois, c'est pas du A4. Et comment ils écrivent. Oui, c'est super. Tu as l'original de Saint-Exupéry. Oh, alors tu as l'impression qu'ils écrivent mieux qu'un ordinateur, une écriture. Magnifique, avec on va à la ligne, etc. T'as l'impression que c'est écrit avec une machine. Mais l'écriture, c'est puissant, l'écriture. L'écriture, hein. C'est puissant. Et tu ressens, quand tu vois ça, même quand c'est sous verre, tu as une énergie, encore une bien fois, sûr. Qui toujours ressort de ça. Cette histoire-là, c'est puissant, ça. Parce que quand t'écris à la main, quand t'écris à la main, tu mets ton âme aussi. Exactement. Il n'y a pas l'interface de la machine. Voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'écrit plus. Hein. Enfin, c'est idiot de le dire, tout le monde le sait, mais bon. Maintenant, on fait de la radio. Et la radio, c'est le pouvoir de la radio est extraordinaire. Le pouvoir des mots. C'est vrai. C'est vrai. On le sait que trop peu, malheureusement, pour notre bien. C'est un outil tellement puissant. Et très puissant. Voilà, c'est extrêmement puissant. Les longueurs d'onde, c'est aussi le son passe par les longueurs d'onde. Mais les longueurs d'onde, elles peuvent brûler, mais elles peuvent aussi soigner. Ouais. Voilà. Ah oui. Attention. C'est merveilleux, la radio. Hein, voilà. C'est un voyage, c'est un vrai... Retenez bien ça, on fera une interrogation écrite. Un vrai voyage. Sur, 2 heures pour faire 4 copies doubles sur le sujet. Allez, alors, c'est quoi ton... ta situation la plus étrange que tu pas. Peux nous partager. Non, je sais pas. Non, c'est là, franchement... C'est parti. Attends, non, franchement, je sais pas. Étrange. Allez, tu vous vas avez dit étrange. La question avec Véronique. Écoute, j'en sais rien, là. C'est tellement étrange que... Oui, c'est ça. C'est tellement étrange. Non, mais franchement, étrange. Étrange, bien... Étrange, ça veut dire quoi? Ça peut être négatif, positif, excitant, flippant... Ça peut être tout ça, étrange, non? Non, une situation hors norme, une situation bizarre. Oui, une situation bizarre, hors norme. Alors, je pense tout d'un coup, mais peut-être que ça va vous paraître bizarre pour toi, c'est pas grave. Peut-être pas pour les autres, mais quand je me suis mariée avec Michel, qui est derrière toi,
Il m'a emmenée à l'île Moustique. Il m'a épousée sur la plage. Il y avait beaucoup de monde et je connaissais personne à mon mariage. Ça, c'était étrange pour moi. Ah ben oui. Parce que c'est loin, c'est très loin. Et il y avait juste ma meilleure amie qui était là, mais sinon, je connaissais personne. Tous ces gens qui étaient sur la plage, qui étaient bien sûr là pour Michel et pour l'accompagner dans cette journée. Et ça, c'était assez étrange. Il y a sûrement d'autres situations, mais celle-là, j'y pense, tu vois, tout d'un coup, comme ça, quoi. C'était étrange. Voilà, bon, c'en est une. Il y en a sûrement d'autres. C'est vrai. Et alors maintenant, aujourd'hui, les projets? Ben, les projets sont là, j'ai remonté un atelier ici, je suis anglaise, et je prépare une expo qui se passera chez moi pour que tout le monde profite, puisse visiter l'atelier, parce que les gens ne se rendent vraiment pas compte de cette histoire, du métier à tisser, des kilos de fil et tout ça. Donc je le fais chez moi, et ça sera début décembre, et je t'invite, Odile, à également mettre quelques tableaux au milieu des tissus et tout ça. Donc ce sera le début décembre, le 4 décembre. Ce sera une bonne énergie. Voilà, de toutes les façons. Mais avant d'arriver à Anglet ou à Bayonne, tu étais sur Paris alors? Moi, j'ai pas mal bougé. Oui, j'ai pas à Bordeaux aussi. J'étais à Bordeaux. J'ai fait beaucoup de choses à Bordeaux. J'ai fait des défilés, des choses assez importantes. Mon métier à tisser m'a toujours suivi. C'est marrant quoi, quand on y pense. Mon métier, il est grand. Tu le connais, le grand là. Je m'a toujours suivi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, beaucoup. Et j'ai toujours trimballé ce métier qui est énorme, avec un autre instrument qui s'appelle l'ourdissoir, qui est grand aussi. Donc j'ai toujours trimballé tout ça avec moi, quoi. C'est marrant ça aussi, hein. C'est pas anodin ça. Partout où j'étais toujours avec tout ce matériel qui est énorme. Ben oui, il faut pouvoir créer, mais bon, c'est quand même gros comme matériel. Ah ouais, à c'est trimballer. Gros, je peux pas l'emmener comme ça. En voyage. Comment? Je sais pas comment ça pèse, mais ça prend, c'est largeur, c'est large d'1m30, 1m50, la hauteur également. Donc ça fait 1m50 sur 1m50 de hauteur, un peu plus même. Donc c'est quand même important. Tiens, j'ai une petite question. Tu sais que c'est la tradition du Pays Basque, le tissu. Ah ben évidemment. Voilà, parce que sûr. Tu t'inscris moi, dans la tradition moi, du Pays Basque. Oui, bien sûr, les sept rayures, là. Fait des choses, j'ai fait des gammes de couleurs pour comment il s'appelle, pour janvier, il y a quelques années. Voilà, et puis après, pour aussi une autre, qui sont dans le Béarn, comment il s'appelle qui font des... Comment non, pas Mouté, un autre qui est super aussi. J'avais fait beaucoup de gammes de couleurs aussi pour eux. Toujours dans la rayure, j'adore le tissu basque, évidemment. L'Artigue, exactement. Voilà. Et parce que là, il y a une bataille, janvier, l'Artigue. Lequel tisse au Pays Basque? Ah ça, j'en sais rien. Ce jour, je pense que c'est l'Artigue. Le plus ancien au Pays Basque, c'est l'Artigue. Oui, je pense aussi. Donc ils tissent, ils ont des machines à tisser, ils tissent leur tissu. Ouais. Je connais leurs ateliers. Comment? Oui, c'est oui, ouais, ça c'est super ça. Oui, il a son atelier à Asquin, l'Artigue. Merveilleux. Ah ben moi aussi, de toute façon, on va aller le voir ensemble. Tu vas l'interviewer. Ah oui. Et alors? Ah mais oui, mais il faut qu'on se voit. Mais je ne sais pas grand-chose sur mon grand-père. Je n'ai pas été éduqué, on ne m'a rien transmis. Donc je pars, si je dois avoir des connaissances, je pars à zéro. Ouais. Et je serais heureux de faire ça avec quelqu'un. Ah c'est merveilleux. La transmission est le thème de la semaine sur Radio Biarritz. Ouais. Je n'ai pas eu de transmission. La transmission. Qu'on peut deviner. Ouais. Moi, c'est ma question du jour, en fait. Ma préoccupation, c'est la transmission, en fait. Et je ne sais pas, je sais pas comment transmettre ce qu'on m'a transmis. Et c'est une grande question, ça, en fait. Ouais, et c'est une. Et c'est, et je,
il me semble que ça fait partie des questions fondamentales qui peut nous... Et si on le traite, ce sujet, avec tout le sérieux qu'il mérite, ça peut nous amener à retrouver l'humanité tout le monde s'accorde à dire que l'on perd notre humanité. Mais je pense qu'on peut la retrouver, cette humanité, si on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors moi qui suis dans l'entreprise, transmettre son entreprise est très compliqué. C'est-à-dire, dans son état, je veux dire, sans qu'on perde des clous. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise. Oui, il y a le métier, mais après, transmettre en termes de... je veux dire, tu as quand même beaucoup d'érosion en fait financière quand tu passes une entreprise et par les taxes, les impôts et la difficulté aussi de dire à ses enfants tiens reprends une entreprise. Mon entreprise, c'est pas grave, tu gagneras pas ta vie, mais ça fait rien, c'est ce que tu vas transmettre. C'est difficile. Donc on leur fait faire des études différentes. Moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui disent à leurs enfants, non, mais ne fais pas ça, va faire des études, va faire un autre métier, mais ne reprends pas l'entreprise. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Mais c'est pas tant le métier, c'est trop dur parce que c'est dur de gagner sa vie. Et quand tu reprends une entreprise... Il faut vraiment que l'entreprise ait une grosse inertie financière, pour pouvoir absorber en fait le démarrage avec un nouveau dirigeant c'est compliqué. En fait, il y a plein de sujets et en dehors du sujet, transmettre son savoir-faire qui est fondamental. C'est ça dont on parle, bien sûr. Gros sujet. C'est un très gros sujet qui touche tous les domaines. Voilà, mais écoute. Je ne sais pas si on peut transmettre l'art. Le tien sans doute pas. Le mien, mon activité, je pense que oui. Parce qu'il y a de la technique. Moi, j'ai une technique de base qui est très importante. Donc ça, je peux éventuellement le transmettre. Toi, je ne suis pas sûre que tu puisses transmettre cette démarche artistique que tu as. J'ai essayé, ça n'a jamais marché. Oui, mais je pense que ce n'est pas ton propos. Parce que moi, c'est une question d'énergie. C'est ça, mais moi aussi, mais différent. De connexion et d'énergie. Voilà, mais moi, j'ai toujours besoin de quelqu'un. C'est-à-dire, je vais faire mon tissu, ce que je sais faire, mais en aucun cas, je ne sais coudre, faire un ourlet ou faire un truc. Donc, j'ai toujours besoin de quelqu'un. À moins de faire des pièces uniques, comme je présente à mon expo, tu vois, genre des grands tissus comme ça. Là, j'ai besoin de personne. Mais sinon, à la différence de toi, j'ai souvent besoin de quelqu'un, d'un styliste ou de quelqu'un qui va faire avec moi. Parce qu'il y a un apprentissage dans ce que tu fais quand même. Ah ben bien sûr. Donc tu peux apprendre, mais la personne à qui tu apprendras. Aura une autre sensibilité, quand elle se mettra à l'œuvre, ce sera totalement différent. Exactement, tu as tout à fait raison, parce qu'un tissu, ça c'est fou ça même, un tissu tissé, le même fil, monté, tout ça, pareil, tissé par deux personnes, ça va être deux tissus différents, parce qu'il y a la main, qui intervient également dans l'histoire, ça c'est vrai. Et même, je pense que si tu voulais refaire le même tissu, il serait encore différent. C'est ça, tout à fait. Moi, je le vois dans ma peinture. Souvent, on me dit, oh, je veux la même. Oui, c'est ça. Je dis, ce ne sera pas la même. Non, c'est sûr, c'est pas possible. Oui, tout à fait, bien sûr. Une petite question, parce que est-ce que c'est un métier à tisser manuel? J'étais en train de penser au serrage. Est-ce que c'est automatisé ou est-ce non, moi, c'est à la main? Effectivement, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est un métier à tisser totalement manuel. Et c'est des métiers suédois. J'ai des machines suédoises. D'accord. Et c'est absolument pas. Et donc, c'est toi qui es avec. C'est moi qui passe la navette, ouais. C'est toi qui as la navette, d'accord. On peut voir dans les tribus. Dans les tribus. Amazoniennes. Dans les tribus. T'as une sorte de. Ou tout simplement quand d'aiguille en bois et tu passes. Tous les gens qui. Oui, c'est ça, mais c'est ça. C'est ça. Ou quand tu vois les. En Écosse ou en Irlande, ceux qui tissent, c'est ça.
C'est ça. Et donc, tu as le peigne, l'aiguille en bois. Mais oui. Et tu passes comme ça. L'aiguille en bois, c'est quoi l'aiguille en bois? C'est la navette. C'est la navette. Ouais, la navette. C'est pas une aiguille. Non, non, mais oui, C'est l'image. Moi, non, non, c'est totalement manuel, le truc. J'ai une photo, tu veux... Non, peut-être que c'est pas du tout télévisuel, je te montre une photo du métier. Oui, oui, mais en tout cas, je vois, je regarderai. Ou je te montrerai après. Oui, te montrerai après, mais après, sinon, tu me l'enverras, je verrai comment le... Oui, le je te l'enverrai, je te l'enverrai. Le mettre peut-être en fond. Je te l'enverrai. En même temps, j'apprends aussi, moi, à utiliser tous ces outils. Bien sûr, non, mais c'est de l'apprentissage. C'est ça dont... Excuse-moi, oui, c'est vrai qu'on aurait dû préciser tout de suite que je fais du tissage à la main. C'est ça l'histoire. Donc c'est pour ça que je parle d'exclusivité, de choses un petit peu comme ça. De pièces uniques, parce qu'effectivement, c'est pas du tout de l'industrie, mon truc. Hein. C'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Margaret, j'écoute, je suis tellement prise là-dedans que... Tu t'endors aussi au soleil. Ah oui, c'est ça, je vous endors. En fait, je l'ai vraiment. Dites-le tout de suite, je vous endors. Ah, mon Dieu. Non, mais c'est... Je trouve ça passionnant, en fin de compte. Ouais, c'est vrai de revenir un petit peu à quelque chose d'ancestral, quoi. Voilà, de garder tous ces métiers qui disparaissent les uns après les autres, malheureusement. Et c'est comme une cuisine, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est important, quoi, de garder ça. Ouais, c'est important. Très important. Ouais. L'avantage, c'est que s'il y a une panne d'électricité, tu peux continuer à travailler. Voilà. Ouais, mais il faut que j'y. Alors que. Par contre, il faut un peu de lumière. Il faut que j'y voie quelque chose quand même. Ouais, moi je travaille qu'en plein jour de toute façon. Dis-donc, là, vous ne voyez pas, mais les photos, il y a des photos avec des tissus magnifiques. On va se parler, nous. Des photos d'habits. Alors, tu as un site internet où on peut découvrir. Ben, regarde, surtout Instagram. Instagram. On peut voir à peu près ce que je fais. Et puis, voilà. De la taillade Véronique. Voilà. Et il y a, voilà. Oui, maintenant, les sites... Moi, je fais comme ça. Et ça marche très bien. Ah bon, super. Hein. Bon, là, je t'ai mis quelques photos pour que tu te rendes compte du truc, quoi. Ouais. Oh, des espadrilles. Oui, j'avais fait une collection, effectivement, pour un défilé que j'avais organisé à Bordeaux, d'ailleurs. Et j'avais fait faire des espadrilles avec mes tissus, je crois à Moléon, je ne sais plus où, avec des gens qui font des espadrilles. Oui, il y a Moléon qui se passe là-bas. Ouais, super aventure, c'est génial. Très, ouais. Donc, j'avais fait des petits shorts avec des espèces de brassières et les espadrilles avec mes tissus, quoi. C'était génial. Et là, je vois un dessin. En fait, là, c'est comme ça, tu conçois tes... Alors voilà, j'ai mis quelques... Tu m'interviews, là. Oui, voilà, j'ai mis ça pour que... Voilà, je sais pas si on voit un peu. Ça, c'est les fiches techniques, hein, qui sont hyper importantes parce que... C'est à la main, tu fais ça au pinceau, la peinture. Ah oui, moi, je suis manuelle de A à Z. Voilà. Bon, mais ça, j'ai un langage, en fait, qui peut être lu par les industriels, puisque j'ai travaillé également... 3 saisons pour un industriel. J'ai dessiné ces tweed et colorié ces nouvelles gammes de fils. Et donc, c'est un langage universel. Si tu tournes... Il y a du papier millimétré, on va dire. C'est un langage universel, le nombre de fils, le nombre de duites. Voilà, tout, je suis là spécialement là. Tu as tout ce programme de tissage que n'importe quel industriel peut lire. Ça, c'est important aussi. Mais moi, je le fais à la main, ce qui, évidemment, est un peu obsolète, c'est sûr. Mais bon, c'est mon... Et ça n'empêche pas un industriel... Ça reste... Oui, là, voilà, c'est tout à fait... Voilà. De faire appel à tes services pour monter en gamme. Absolument. Et oui. Ah oui, non, franchement... Mais aujourd'hui, j'ai plutôt une activité un peu plus confidentielle. Artisan du tissu, artisan créatrice tissu. Et c'est du coton ? Ah non, ah oui, toutes les matières. En fin de compte. C'est un peu, je ne sais pas si on voit bien. Toutes les matières. Voilà, la machine. J'essaierai je ne sais pas comment la mettre, tu m'enverras la photo. Oui, j'ai vu des machines comme ça. Tu sais, tu peux passer aussi à l'atelier. Oui, ça serait pas mal que je découvre ça. J'adore l'artisanat. Tu peux passer quand tu veux. C'est gentil. Mais je viendrai avec Odile. Bah bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, tu viendras à l'expo que je fais. Oui, pourquoi pas. Voilà, très bien. Vous faites une expo, là? Voilà, c'est ça, exactement.
Exactement. Voilà. Merci. Vous serez informé, de toute façon. C'est sur deux jours, non ? C'est sur deux jours. Le samedi, dimanche, on va faire ça. Ouais. On va ouvrir les portes de l'atelier, tout ça, sur deux jours. Ouais. Il y a un téléphone qui sonne. Et je ne sais pas comment le... Oui, c'est le mien. Il fait tout en temps, voilà. C'est bon, ça s'est arrêté. Bon, c'est mes filles. Elles sont à l'étranger. Elles m'appellent. Ah, là, c'est super. Ouais. Elles sont où ? Alors, il y en a une qui est à Madrid et l'autre qui est actuellement à Singapour. Ah, super. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, mince. Bon. Il faut lui répondre. Non, non, mais là, sinon je coupe le direct si je réponds. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là ? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Je suis en conférence. Exactement. Non, mais là, qu'est-ce que ça m'a fait ? Ça m'a tout bloqué, non ? Voyons. Bon, alors... Bon, alors nous, voilà quoi. Alors nous, le 4 décembre. D'ailleurs, je vais venir à ton atelier. Tu es OK, là ? Aujourd'hui ? Oui. Oui, parce que j'ai préparé... Oui, je viens là. Je viens dans la foulée. J'ai préparé tout ce qu'il fallait. Oui, je viens là, après. Moi, je trouve ça... Moi, je trouve sympa cette synergie d'artistes. C'est vraiment, c'est important de se rencontrer. Ouais, c'est super. D'échanger. Mais j'espère que ça filme encore. Allez-y. C'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura une petite coupure. Excuse-moi, je t'écoute. Ben oui, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Plein de choses encore. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ton émission, etc. Qu'est-ce que tu veux faire ? On a encore une demi-heure, là. Ah, il y a une demi-heure. On a encore une demi-heure pour raconter nos histoires. Mais moi, j'aimerais que tu expliques... Excuse-moi. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que tu veux faire. Maintenant que tu as ta première expérience, d'abord, est-ce que tu vois qui tu vas nous faire venir ici ? Comment tu vois la suite de ton émission ? Comment, etc., etc. Qu'est-ce que tu vas nous apporter en nous faisant découvrir des artistes ? La première émission, moi, je vous ai plutôt laissé parler parce que vous aviez des tas de choses importantes et sympathiques à dire. C'est là-bas, le public est là-bas. Oui, non, mais je te regarde. Pourquoi tu ne tires pas un papier pour voir ? Ah oui ? Pourquoi pas ? Vas-y, pour voir. Et je vois qu'il y a une nouvelle arrivante qui est arrivée. C'est un peu bizarre. Ce que ça je dis. Est-ce que... Là, oui, mais je regarde. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire ? Vous pouvez intervenir ? Bonjour. Bonjour, et voilà, tout le monde est là. Bonjour. Donc, ah ben voilà notre amie Nadia qui peut peut-être dire un mot. Vous pouvez enlever votre muselière, Nadia. Bonjour, Nadia. Bonjour, Nadia. Vous voulez que je vous dise un mot ? Oui, mais viens là, Viens là. Alors, finalement. Parce qu'il y a une caméra là, tu vois. Ouais. Il faut que tu dises un mot. Nadia est plus bavarde que moi, donc je pense qu'elle a pas mal de choses à dire. Qu'elle connaît bien Véro aussi depuis des années. Tu parles de moi. Tiens, regarde. Comme ça, vous conversez. Non, mais Nadia, on se connaît bien aussi. Très bien aussi. Bon, ben, je connais bien les deux. Oui, on se connaît bien les deux. On se connaît bien, oui. Je connais bien Odile, je connais bien Véronique. Ce sont des artistes depuis très longtemps. Véro avec le tissage et Odile un peu avec tout. Même le chant à un moment donné. Ah, le chant. Ah, t'avais pas connu ? Non. Tu avais chanté un peu à un moment donné. Oui. Donc Odile, bien, plein de cordes à son arc. Lusienne. Et Véronique plutôt bayonnaise et toutes les deux maintenant de cœur à Biarritz, un petit peu quand même, Odile. Ben, moi, je suis née à Biarritz. Bon, voilà, alors Biarrot. C'est rare maintenant d'avoir des... Ah ouais. Non, on n'était pas en classe ensemble, mais on est de Biarritz toutes les deux. Voilà, donc ce sont deux femmes charmantes qui ont beaucoup de talent et beaucoup de cordes à leur arc. Et je leur souhaite plein de réussite et de continuer la réussite. Oh, t'es adorable. Voilà. Adorable. Super, merci adorable. Nadia. Tu veux... Tiens, Nadia, est-ce que tu peux... Ouais. Est-ce que tu veux... Vas-y.
prends un papier. Piocher une petite question, là. Comme ça, une petite question, d'accord. Non, mais viens là, viens là, viens là. Oui. Votre compositeur préféré. Oh, vous avez besoin de lunettes, de quoi ouais. Ben oui, parce que le Z n'est pas, ah, est pas top. Excuse-moi, oui, moi, je lisais composteur. C'est une, c'est donc, une écriture d'artiste. Hein, tu n'es pas composteur. Je ne dis rien. Je lis comme ça. Mon compositeur préféré en musique. En musique, oui, en ce que tu veux. Ben, écoute, moi, je dirais en musique, peut-être Gainsbourg. Voilà, après, un compositeur de quoi ? Compositeur. Ouais, bah c'est tout. Ben voilà, parfait. Voilà, bon, bien. Donc j'ai tout dit. Ouais, t'as tout dit. T'as très dit, merci Nadia. On l'amènera à ton expo, d'être passé. On pourra présenter. Bien sûr, bien sûr. On pourra présenter. Bien sûr, bien sûr, c'est vachement intéressant. Des écharpes. Voilà, ben écoutez. Écoutez, c'était sympa. Le public est là, devant nous, là, voilà. C'était sympa. Non, c'était super et bon. Encore une fois, je pense que la radio a un grand pouvoir, en fait. Grand pouvoir de séduction. La radio, c'est super. C'est mieux que la télé, je pense. Beaucoup mieux. Parce qu'on comprend mieux les choses, on sent mieux les choses. L'approche est différente et plus forte, à mon avis. Alors là, je vois plus rien, mais je crois que ça filme toujours. On verra bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, parce qu'on est filmé, on est en direct, et en plus on parle dans un micro, etc. Et je trouve qu'on montre que rien n'est parfait. Et qu'il faut même se méfier quand c'est trop parfait. Ouais. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, et là je vois les retours que j'ai, nous on démarre, personne n'est du métier, on est entre amis. On essaie de s'amuser, de faire partager un peu nos passions et les gens qu'on aime, etc. Tout démarre de Biarritz, d'où Radio Biarritz. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, on est plutôt habitué à avoir des choses parfaites, très prédigérées. Et donc, du coup, et là, ça prend du sens quand on est quand on commence à faire ce genre de projet, comme on est en train de faire, on se rend compte que si on veut quelque chose de parfait, il faut beaucoup le travailler. Donc, ça passe par 36 000 filtres, images, sons, etc. Et du coup, on n'a pas la vérité. La vérité, c'est dans le direct. Et d'abord, on voit les émissions à la télé qui fonctionnent bien, c'est quand c'est en direct. Mais est-ce que c'est du vrai direct ? Tu sais, ils sont connectés. En fait, c'est du différé instantané, on va dire. Mais nous, on est vraiment en freestyle. On coupe pas au montage. On n'a rien préparé. Moi, là, en ce moment, j'arrive, j'ai rien préparé. Bon, je savais, la seule préparation, c'est que je savais que tu allais arriver. Je savais qu'Odile démarrait aussi. Là, c'était le baptême du feu pour Odile. Tiens, alors, t'en penses quoi, ton baptême du feu? Le feu, c'est de la lumière. Non, mais le baptême du feu, bon, moi, je me suis pas trouvé terrible, mais c'est pas grave. Je me suis pas trouvé terrible. Qu'on était naturel, on était bon, avec. Je dois avoir un problème de communication en direct. Non, on était spontané, c'est tout. Voilà. Bah, c'est ça qui compte, et tu non penses, bon. Oui, le direct, quand t'es avec tes amis, tu fais pas comme si t'étais sous la douche. Quand t'es en public, là, c'est comme si t'étais en public. Et ça dépend. En fait, moi, je fonctionne avec les énergies. Donc ça dépend de l'énergie qui... Ouais, moi aussi, voilà. D'ailleurs, bien sûr. Dépend et là, je trouve que c'était très, très calme, très... Très cool. Voilà. Et surtout, tu avais le soleil dans... J'ai l'impression que je me suis transformée en lézard, donc je me suis un peu endormie. Et je n'ai pas été très éloquente, on va dire. Mais ça sera la prochaine fois, tu sais, au début... Mais j'aime bien. Mais en fait, j'ai plutôt été spectateur qu'acteur. Mais j'aime bien écouter, en fait. N'oublie pas que c'est l'émission que tu animes, voilà, à la base. Voilà. En fait, c'est ça le problème. Je me demande si je vais pouvoir continuer à animer cette émission. Tu es animatrice. Et moi, par contre, je pourrais venir un jour l'interviewer. Mais parfait, mais ce sera parfait. C'est le principe, tu viens quand tu peux venir toutes les semaines, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors moi, on peut trouver une formule du style Odile vient avec...
avec son invité. Et après, on trouve des personnes un peu plus loquaces qui vous posent des questions à toutes les deux. Des personnes loquaces, parce que nous, on n'est pas loquaces. Si, si. Ah bon. Non, mais parce qu'elle a dit, je me suis trouvée un peu endormie. C'est pour ça que je répondais à Odile. Non. Non, moi, je trouve que c'était bien. Tu avais bien structuré ton truc. Mais voilà. Après, c'est la rencontre qui fait tout. Hein. Voilà. Donc, allez, le mot de la fin. Donc le mot de la fin, Véronique. Le mot de la fin, c'est qu'il y a cette expo le 4 et le 5 décembre. Et vous serez informés de l'adresse et Anglette. Et il y aura des œuvres d'Odile au milieu de mes tissus. Voilà, voilà. Pour irradier, pour que l'énergie irradie toute la maison. Voilà, et l'atelier ouvert pour ceux que ça intéresse aussi. Voilà. En fait, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que... C'est qu'on veut donner du bien-être à travers de notre art, du bien-être, de la joie. Et voilà, moi souvent on m'a dit que j'étais énergéticienne de lumière. Bon, ça m'a fait sourire. Mais c'est un peu ça, quoi. On soigne les gens à travers l'art, on leur donne. Et c'est pas un bien-être fugitif, c'est sur l'instant, mais ça dure dans le temps. Voilà. Très joli. Voilà. Très joli. Et ça me fait rebondir sur, en fait, tu vas t'occuper de tout ce qui ne se calcule pas. Et toi aussi, en fait, tout ce qui ne se calcule pas, c'est 80% de ce qui nous fait vivre. Hein. C'est-à-dire ? Eh bien, ce qui ne se calcule pas, c'est, moi, je passe ma c'est vie le à calculer, les moi. Sentiments, le je ressenti. Je calcule mes fils toute la journée. Oui, mais, ouais, mais tu mets ton âme, tu mets ton cœur, tu mets, oui, bien sûr. C'est ton talent. Et, ah, bien sûr, je mets... Puisque tu nous as bien dit que, en fait, c'est unique. Chaque, ah, oui, donc, oui. C'est un peu comme Odile, c'est-à-dire qu'elle fait chaque fois qu'elle fait une peinture, ou toi, chaque fois que tu fais un tissu, il est unique. Ah oui, oui. Donc, vous y mettez ce qui ne se calcule pas. On peut pas. Et la preuve, c'est que la difficulté de le transmettre. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, ouais. Donc, et c'est 80% de la problématique, en fait. C'est... En fait, non. Je pense qu'à un moment, il faut se mettre le mental de côté, se libérer de toute cette machine à laver, là. Oui. Et pour être soi-même. Voilà. Oui, mais c'est d'accord. Pour être soi-même, et puis on y va, on se jette dans le vide. C'est le lâcher. Le lâcher prise, en fait, c'est pas on lâche. Le lâcher prise, c'est un bien grand mot. Mais pour moi, le lâcher prise, c'est se jeter dans le vide. C'est voilà. C'est ne plus penser. C'est être en dehors de la pensée, en dehors du mental et y aller quoi. Et allez, on y va. Mais allons-y quoi. Mais allons-y. Radio Biarritz. Allons-y. Allons-y. Surfons la vague. La radio de la lumière. Oui, bah, okay. Oui, bah, bon, mais à bientôt, les amis. À bientôt. Voilà. À bientôt, merci de donc, nous avoir écoutés. En ce moment, on assiste à que des premières, que des dépoussiérages. On apprend à se connaître, on rencontre des gens super. Voilà. Qui, on n'a pas vu notre GG national aujourd'hui, il n'est pas venu. Bah, il a dû se faire enlever. Il a dû se faire enlever, j'espère pas. Bon, voilà, bah, en tout cas... Hein, on l'embrasse, hein, parce que Gérard Motte, on se marre bien. Hein. Allez, salut tout le monde. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye. J'ai été minable. Bah. Ah oui, mais tu peux pas couper. Mais non, mais tu as dit qu'il fallait dire ce qu'on pensait, qu'on était en live. Mais je suis une spectatrice. Spectatrice anonyme.